Mot de passe, ce sera... Attends. Un truc où j'ai pas besoin de t'envoyer de mot de passe. Il faut pas que les gens devinent. Le mot de passe, ce sera... Putain, j'ai du mal. Le suspense est... Ah, moi je fais plus ça Trouve... parce que sinon je trouve jamais de mot de passe. Trouve-moi un mot de passe, là. C'est trop dur. Fais-moi... Ouais, attends. Tant qu'on se l'écrive. C'est complexe, il faut une private Ouais. joke, une info Le privée, nom... genre c'est gênant, Attends. c'est Le dur. nom du... Ok, je vais te dire un truc et ce sera le mot de passe. Si t'arrives à le trouver, t'es vraiment fort. Ah T'es mais du prêt? coup c'est abusé, je dois être fort et tout genre. Attends. Ouais Équipe bah. contre joueur, équipe contre IA. Ah ouais, c'est parce qu'en fait on peut jouer contre... D'accord. On va faire Ouais. équipe contre IA. Parc Hivernal, parc de Redwood. On va faire le... Je sais pas, on fait le parc hivernal ou le parc de Redwood? La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est sous la neige et pas l'autre. Go Je pense, Redwood. parc hivernal, hein. Ah toi t'es... Ah! Bah ça me surprend tu vois. Bah Toi non, parce qui que... aimes Non, la mais je sais. Mais verdure. c'est parce que la dernière fois, il me semble qu'on avait joué sur une map qui était complètement normale. Il n'y avait pas de neige. Ok. Ok, je crée. Le mot de passe. Tu dois le deviner. Je n'ai aucune Je mémoire. vais te Vas-y. dire... Adrien! Ok. Si tu le trouves... Ah bah là les gens ils tapent Rocky, ils sont trop cons. Ouais mais attends. En fait je vais trouver. Mais En un seul mot. en un seul mot. Bah ouais, en un seul nom, je dirais même. Je vais quand même pas t'aider encore plus que ça, je peux t'aider encore plus, mais déjà Adrien... Tu devrais trouver. C'est une vieille. Mais je vois bien ce que c'est, mais genre, c'est une vieille ref Ok, je t'en fais une autre. C'est une vieille ref à un de Je nos suis un trucs. cuicui, je vais déployer mes ailes. Ah, mais je savais plus j'avais oublié qu'il imitait ça. Voilà, il a trouvé Ah, bah enfin. là, oui, là, je l'ai, oui. T'aurais dû trouver à la première, putain, je Ça, suis c'est déçu. sûr. Hein. J'ai cru que. Je sais pas, ouais. Je savais pas là. J'étais dans la merde. Ok, je vais être le vieux Rick. Ah, je peux changer mon caractère sélectionné. Pourquoi je suis Rick? Ah bah non, c'est moi Rick. Ah, je veux pas être Rick. Ah, c'est bon. William, durée de l'aveuglement plus 15%, vitesse de rechargement plus 15% de vie. Oh, il s'appelle Thomas, il a 15% de vie et plus de dégâts d'explosion. J'ai entendu dire que les gens qui étaient très grands avaient une moins bonne espérance de vie. C'est vrai? Ouais, du coup j'en ai conclu que tu devais être quasiment immortel. Je vais vous faire chier jusqu'au bout, moi. Par contre, t'es C'est un vrai, c'est la enculé, genre, classe. t'as un peu tôt vite fait, genre. Attends, T'avais pas besoin de le dire comme ça, en vrai. mais du coup, Tu pouvais juste dire que tu vas vivre longtemps. c'est vachement bénéfique. Parce que... Je suis très content, hein. C'est-à-dire que Hugo, il va caner dans pas longtemps. Ouais. Dommage. Mais je sais pas si c'est vrai. Puis Parce que le gars toi, qui tu m'a... seras dans la moyenne, quoi. Le gars qui m'a dit ça, il m'a dit ouais, c'est parce que le cœur doit travailler plus pour faire Eh, 75 balais, c'est tourner le rien. sang. Oui, parce que là, dans la rue, quand je marche avec des gens, ils ont moins de pas que moi à faire. Ouais, mais non, alors du coup, c'est moi qui m'épuise plus. Je fais plus Non, de parce pas à que faire. du coup leur cœur travaille plus parce que le sang doit tourner dans une plus grande distance. Ah, les cons! Alors? C'est qui le plus con maintenant dans l'histoire? Oh, bah, je suis bien content de sa formation. Je pense que je Je vais fais être heureux. deux Je mètres, je vais. vous regarde de mon lit d'hôpital. Je vais être heureux pendant une petite semaine. Sais pas si c'est vrai, mais je me suis dit, si c'est vrai, c'est toujours chouette comme info. Est-ce que je vais retenir toutes ces informations? Waouh, alors attends. Vision H pour nocturne, se carte, soigner. soigner, C'est surtout soigner H tablette, qu'il faut. lampe, explosif. Ouais, Tout ça est c'est des armes de logique, mêlée. sauf le H Caméra, piège. qu'on n'a pas Oh l'habitude la de voir. vache.
Ouais, ça va, mais Voilà, sensibilité, ça va aller. ça va, mais vite fait quand même. Contrôle. Attends, un contrôle là, c'est. Bah, où, C'est c'est où la dans sensibilité dans les contrôles? partie logique. Partie. C'est logique. Partie. Voilà, Sensibilité. 50%, on n'a rien à foutre. On va mettre un ouais 50, On voir ce peut que pas ça aller plus donne. bas que 25. Ah bon? Puis sur E pourquoi? Pour donner des objets? Ah, je peux te donner un truc. Je peux te donner mon couteau. Ah bah je ne te donnerai rien, par exemple, tu vois. Faut que ce soit bien Alors on... clair. Mais en fait, on est plongé là, on sait pas ce qu'on doit faire. Je Attends. peux prendre la viande périmée qu'il y a ici? Merci bien. J'ai pas attendu J'ai la pas répondu. réponse. Je prends le drone. Je prends la caméra. Ah ouais, bah oui, on a le tableau de bord là. Retourne-toi. Ok. Merci. Fait un souvenir. I pour Ok, kit de l'inventaire. soins. La viande est le meilleur appât pour Oh! attirer les prédateurs. D'accord. Tiens, t'as un fusil? Non. Bah t'as un pistolet là. Attends, tu vas me dire que toi t'as ça? Bah disons. Allez, c'est qui qui a pris la viande avariée? Et moi j'ai. Mais moi c'est même pas pour la manger, c'est pour la drop, on n'a pas. Genre. Ah le bâtard. Bah. Ah, il y avait quoi Plus dans la rapide, boîte? hein. Tu l'as bien vidé ça aussi. Quoi? Caméra. Non? Ah, bah, j'avais même pas vu qu'il y avait des tiroirs. Bah Un prends petit. deux caméras. Tiens, Non, y a un kit de soins. on prend trois caméras chacun. Ok, caméra. Trois caméras. Et là, y a un signal. Je sais pas à quoi ça sert, mais tu devrais le prendre. Un signal? C'est du dentifrice? Ouais. Oh là là. C'est drôle. Il pose quand même la question au cas où. Prends les fusées de J'ai plus de détresse. la viande. Puisque à mon C'est avis, ce quoi sera toi ça? qui seras en Batterie de détresse. drone. Vas-y, prends. Tu veux pas prendre le pistolet de détresse? Vas-y, je serai peut-être en détresse. T'as trouvé quoi? Attends. Attends, il y a dans le sac, il y a quoi là? Mais en Il y fait, il a y a plein tout. de trucs là-dedans, il y a des Putain, il y a tout un placards. tas de trucs dans les placards là. Munitions de 9 mm, ça c'est pour moi. Ouais, moi c'est du 762 là. Faut avoir le temps pour fouiller, hein. Une batterie de caméra nocturne. Et pourquoi pas? Mais genre on est plongé dans le truc, on sait pas quoi faire. Prends un piège. Y en a? Eh ben, on est pas mal, Ah, hein. faut qu'on retrouve ces trois personnes portées disparues. D'accord. Le but c'est pas de les tuer, hein. Tu l'auras compris, Ethan, c'est je suis un chasseur. On va faire une de chasse à l'homme. trouver. Ethan, Daniel, Alexa. Ouais. Ouais, bon, ça c'est des règles du parc, on s'en fout. Mais je sais pas. Oh Oh, putain, c'est du effrayant. 762, c'est pour moi. Non? Tu tires pas du 762, toi? Tiens, prends un piège du 762. Un piège. Et du 762 dans la glacière, on sait pas pourquoi c'est là. Encore du 762, putain, tu vas te régaler, mon salaud. Là, dans la Et le glacière. piège, je le prends aussi? Moi j'ai un piège. Je le prends. Et prends une tablette également. Tablette. Ah ouais. Putain, faut pas oublier les trucs, hein. Ok, tab. Bon, je crois qu'on a. On a l'essentiel. Ok, alors. Si je maintiens A et que j'ai le drone par exemple, là je le pose là. Si je veux le contrôler. Ah du Je prends coup la là tablette, je peux je vais voir, sur la ouais. caméra du drone. Et là. Ah, c'est toi qui contrôle la caméra du drone, non? Oh là! Quoi? Ah ouais, tu contrôles le drone carrément! Brrr. Comment tu l'as contrôlé le drone? Je sais pas, j'ai fait espace et ça. Ah j'ai fait clic droit je crois. Ah non, clic droit ça zoome. Non mais bah, je suis juste arrivé dessus en premier. Par contre y a plus de batterie Vas-y. après. Attends j'arrête. Ah bah recharge-le, j'ai une batterie. Attends. Maintenir E. C'est bon, j'ai rechargé la batterie, je crois, non? Ok. Je me demande à quel moment on va vraiment utiliser tout ça et plutôt que courir, voir le Bigfoot et juste courir et. Attends, t'as récupéré le drone? C'est toi qui l'as là. Il est plus dans mon inventaire. Merde.
Ah si, il est là, mais il est pas dans mon inventaire direct. Non, je l'ai pas. Il est là, mais je peux pas l'utiliser. Je pouvais tout à l'heure, mais là je peux plus. Bon bah on va On essayer de se se met en démerder route, sans hein. drone. Règle du parc. Ne pas faire de feu, pas de bruit excessif ou de musique forte. Les chiens doivent être en laisse. Hein? Et pas de feu d'artifice, donc on lancera pas de fusée de détresse. Mais comment on le trouve, genre? On veut mettre de la viande On pour met de la dénicher? viande et on met un piège à côté. Et on s'éloigne, on éteint les. Attends. C'est quoi la vision nocturne déjà? Ah! Pas N. Une trace. Je Ah! prends une photo. Prends-la en photo. Ça t'a donné des indices? Ouais, evidence found. J'ai une preuve. D'accord, oui, mais bon, enfin, on se doutait qu'il y avait un Bigfoot, parce que c'est le but du jeu, mais on sait pas où il est. Alors, là, on va vers la vieille tour de chasse. Et là, on irait vers le vieux chalet de la haute montagne. Photo, Alors? photo, regarde, c'est griffé, là. Ah oui. C'est un indice. On va. Je dirais qu'on va à la vieille tour de chasse, on aura peut-être du stuff. Vas-y, mais enfin du stuff on en a beaucoup déjà. Hein. Y aura jamais assez de balles pour le Bigfoot. Ah bah on y est déjà. Oh un cerf! Je m'en occupe. Qu'il est con, il a tiré directement. C'est bon. Tu l'as buté? Ouais. C'est Comme bien, ça on on va peut prendre pouvoir. sa viande et on Comme s'en ça on sert a sa pour. viande. Hop, couteau. Je récupère l'animal. Attends, j'ai entendu un bruit. C'était un cerf? Non, puisque je viens de le tuer. Il y a un autre animal. Vers là où je vise. Je m'approche. Oui, j'entends un truc. C'est un cerf, ça brame. J'éteins ma lampe. Il a bramé. Oh, il y a tout un tas d'animaux ici. Oh! Petit. Oh là, il y aurait pas un sanglier aussi? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une perdrix des neiges. Bon bah. Oh! Le sanglier! J'avais raison! Oh putain! Paf! Récupère sa viandasse. Nickel! Ah, il fait jour là! De viande. Et le Bigfoot ne sort que la nuit. Allons à la loge, hein. Non, à la tour de chasse. Pas de stuff dans cette Attends, belle caisse? c'est ça la tour de chasse Attends, là? c'est vraiment ça là? Et là, comment on va de l'autre côté? C'est quoi cette merde? Moi je vais aller de l'autre côté. Oh, c'est nul, on aurait dû aller C'est nul? dans la C'est pas une montagne. tour de chasse? C'est une dune de chasse? Je sais pas à quel moment je pose mon piège et ma viande. Ben. Tes évidences en fait elles servent à quoi? Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc de fou. Je vais poser une caméra. Comment je prends ma caméra? Voilà. Je vais poser une caméra genre ici. Et là, on va setup un truc de fou. On va poser un piège ici qu'il ne voit pas. Voilà, indétectable. Ouais, il est invisible le On piège, hein. prend une viande. Mais. Comment tu fais pour prendre la viande? Ouais, je sais pas. Je veux. Ah! Maintenez E pour mettre de la viande. Oups. Voilà. Et là, on est parti pour un documentaire de fou Oh, il n'y a plus furieux. qu'à attendre, hein. On retient où c'est? Bah, allez. Oh, l'oiseau m'a fait peur. Vas-y, on se casse d'ici. On va par là. Là, ça va être un. Une preuve irréfutable. Ouais, parfait. J'ai trop peur que il soit pas loin. À tout moment, il peut te sauter dessus, hein. Là, s'il nous saute dessus maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Faut être prêt. Hein. Bah, il y en a qu'un de nous qui se fera mordre, donc je propose à l'autre de s'enfuir. C'est nul comme stratégie. Oh, c'est mystique ça. J'ai pris un totem. Je sais pas à quoi ça sert. Je peux le poser. Et ça sert à quoi? Je sais pas. Aucune idée. Une tyrolienne? Elle marche celle-là. Oh, y a du bruit derrière nous. Dans les feuillages, y a eu du bruit. Bah, y a des animaux quoi. Oui, y a aussi un Bigfoot. Y a eu du sale bruit, hein. Bon, ça doit être encore un cerf. Et on peut pas passer, hein. Ah, dommage. C'est bien dommage. Enfin, mais la map est grande, hein, parce que là, le campement est pas loin, hein, par rapport à où on est. Oh, un éboulement. Avalanche. C'est dangereux. Hein. Une avalanche ou alors quelqu'un qui a voulu qu'il y ait une avalanche. Enfin, le Bigfoot, il n'est pas à ce point-là maléfique. Il a posé des explosifs, le con. Un loup, attention au loup, hein. Ah oui, et ça fait mal à mon avis. À mon avis, ils nous poursuivent, les loups. Oh, le bruit qu'on fait en marchant, putain, c'est... Tu n'es par là, mais... Attends. Ah. Regardons les caméras. Un cerf, ici. Oh, mais on a trop de viande, déjà. Oh, il se barre. On peut pas tous les buter, hein. Il se barre. Ah ouais? Je pensais qu'on buterait toute la forêt sauf le Bigfoot. Attends, le piège, je vois pas de viande. Je vois pas de viande posée sur le piège, je sais pas si c'est normal. Non, elle était vraiment plate, je pense qu'elle y est toujours. Enfin, j'espère. Okay. Parce que sinon, ça veut dire qu'il a réussi à la grignoter sans activer le piège. Il a disparu à l'instant. De quoi? Qu'a disparu? Le piège a disparu à l'instant. Non, je le vois, moi. Ça y est, il est réapparu. Waouh, tu l'as vu? Je crois qu'il s'est passé un truc, hein. Quoi? Comment ça, tu l'as vu? Le piège, il est fermé, là. Enfin, il est ouvert. Regarde le piège. Ah non, c'est un... Pourquoi je le vois plus? Mais moi, je le vois, hein. Moi, il est là, hein. Exactement là où je vise. Ah d'accord, apparemment... À côté de nous, on a vu le Bigfoot. Quoi? Y'a un truc! Y'a un truc qui fait des bruits d'ours! Quoi? Recule! C'est quoi ce bruit qui fait toc? Y'a un truc qui a fait un bruit d'ours à côté de nous. Oh là, là j'ai entendu un autre bruit là. Mais non, mais c'est bon! Non, non, c'est y'a rien de bon. On continue. Toujours pas utilisable. Ça doit être utilisable, ça, quand même. Dans Far Cry. Genre, tu dois pouvoir peut-être le craft. Ah. Ah non, c'était toi. C'était par là, mais bon. Un petit point sur les caméras. Ouais. Point cam. Rien à signaler. En même temps, je saurais pas comment la tirer. Par la viande. Mais pour la viande, faudrait savoir à peu près où il est, tu vois. Parce que si on le pose n'importe où sur la map, en attendant qu'il y aille, c'est quand même... Ça se trouve, faut mettre un truc sur la viande. Une petite marinade, du sel aux épices. Faudrait savoir ce qu'il aime, en fait. Dis-moi tes goûts et peut-être qu'ensuite on pourra faire quelque chose. On va passer par là. Et c'est l'autre pas ce côté bruit. De la map. Non, mais t'entends des bruits tout le temps en même temps. Non, mais là. Un véhicule? Là, il y a eu un bruit là. Là, c'est. Il y a un bruit de moteur là. Il y a eu un bruit de moteur. Non, mais là, je l'ai là. Bigfoot, il est en... maintenant. Bigfoot, il est en camion. Non, mais attends, j'ai entendu un bruit de moteur. Non, bah ouais, y'a rien. Oh, cette merde. Oh là là, moi je dis y a pas mal de mystères, hein. Je dirais. Hein. Nuit 2. Oh ça y est, il va passer à l'attaque, le connard. Attends, et si je mettais de la viande ici là? Un truc à droite. Attends. Vite, à la lumière.
T'es où? Mais t'es où? C'est là-bas, hein? Tu vas où? Toi, tu vas où? T'es plus à la route? Si, t'es là! Je suis là, je suis là! C'est derrière moi, hein! Ramène-toi! On se met en hauteur! Un feu d'artifice! C'est fait pourquoi? On n'a pas le droit d'en faire en plus ici, c'était dans les règles. Ah, mais oh là, là c'est chaud! La caméra, y a rien? Non. Non, le piège est toujours là. Est-ce qu'on a autre chose pour le faire chier? Ah, caméra de vision nocturne. Ah. Pour ne pas avoir utilisé sa lampe. Oh l'enculé. On va pas prendre pour un jambon là. Hein. Là. Je crois pas au paranormal, mais là, j'ai entendu quelque chose. Vas-y, mets-y ta viande. Une caméra là. Comme ça. Hop. Et voilà. Et du coup, s'il vient, il sera coincé dans le piège et on le bourrine de balles. Je sais pas combien de temps il est coincé. J'ai quoi d'autre dans mon inventaire? J'ai un totem. Ah, c'est un totem, c'est pour faire revivre un ami. Ah, pas mal ça. Au pire, j'ai une idée de fou. On fait un feu d'artifice ici et on court comme des oufs. Et comme ça, il est attiré. Non mais si on voit qu'il est attiré, il est là, 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 il arrive, il arrive. Oh, il a cassé. Il s'est tombé. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Oh, faut qu'il aille vers le piège. Faut qu'il aille vers le piège. On l'emmène vers le piège. Aïe 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 aïe. On l'emmène vers le piège. Hey, gros balourd. Tu as faim? Putain. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Tu as faim, gros balourd? Il s'est fait prendre dans le piège. On se barre. C'est bien. Bourrine. Bourrine un peu. Il est plus dans le piège. Oh, il me suit. Ça me fait qu'il en a. Ça me fait qu'il en a. Bonne chance. Il me suit. Il me suit de ouf. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais. Aïe. Grosse merde. Grosse merde. Enculé de merde. Faut que je revienne à un lieu de civilisation, je vais mourir. Je vais mourir de ouf. Mais attends, mais c'est sa vie en haut parce que il a rien vu comme dégâts. Il me mange. Je suis mangé. Tu meurs là? Non. Il est parti. Il m'a mis une mandale. Mais regarde toute la vie qui lui reste en haut. L'enfoiré. On l'a sous-estimé. Mais il nous faut plus que ça, il nous faut du gros calibre. Là, il faut qu'on soit au moins 15. Il revient vite. Attends, faut que j'ouvre ma carte, mais là on est dans la merde. On va pas du tout dans le bon sens, on va pas à la maison là. On prend à droite. Faut qu'on retourne à la maison là. C'est trop loin la maison. Fuck. Un peu ouais. Fuck la maison. Bon, faut qu'on continue. Ça nous apportera rien la maison. Mais je préférais qu'on aille au nord ou... Bon alors si tu veux on va de l'autre côté. Et on remonte au nord. Déjà je remets un piège. Caméra là. Y'a pas un totem là-bas? C'est quoi ça? Non, c'est un lampadaire. C'est un lampadaire. Un totem d'immunité. Ce n'est qu'un lampadaire. Sur la carte. Oui, bah si tu veux, on continue tout droit, on prend à gauche. Ouais, on prend à gauche, on remonte. Comme ça, on explore. Il nous faut du meilleur stuff, hein. On n'arrivera jamais à le tuer. Hein. Ouais, doit y avoir mieux. Hein. T'as toute ta vie? Ouais, je me suis heal. Mais j'aurais peut-être dû attendre pour me heal, parce qu'en fait, finalement, j'étais pas si blessé que ça. J'ai pris cher, mais pas tant que ça, finalement. En fait, il m'a mis une putain de mandale, genre il m'a attrapé. Et après, il est parti. Xorgios. Il slide. Va bien trop vite.
Oh, il glisse, putain. Il récupère sa vie. Ah ouais, ce qui est en gris, il le récupère. Ouais, ouais, ce qui est en gris, il le récupère petit à petit. Ça veut dire qu'on a vraiment retiré vraiment très peu, en fait. Et pourtant, j'ai tiré plusieurs fois dessus. Hein. Moi, je peux te dire qu'avec mon Glock, à mon avis, je lui fais pas grand-chose. Hein. Non, il nous faut une mitrailleuse lourde. Ouais, tout simplement, ouais. Il y a des grenades. Ah, mais il y a une touche explosif. Si ouais, y a une touche explosif, c'est qu'on peut... Tiens, prends un totem. Moi, j'en ai plein. Enfin, j'en ai deux. Mais à quoi ça va nous servir? Arrive à nous revive. Ah oui. Plutôt utile en vrai. C'est un cul-de-sac ici. Ouais, faut qu'on traverse. Qu'est-ce que c'est? Il est là, là. Je cours à l'opposé. Hein. Non, il traversera pas la rivière, il est hydrophobe. Ah oui, c'est vrai. Comme les Nazgûl. Exactement. Il y a une tente, il y a un campement ici. Peut-être qu'ils ont laissé des explosifs. Le campement de la queue rouge. Ah ouais. Oh, peut-être du C4. Alors la queue rouge, munition de 5.56. Oh, dis donc, où est l'arme qui va avec ça? Oh, le 5.56, ça veut dire qu'on peut avoir un bon fusil d'assaut là. Oui. C'est nos munitions préférées, le 5.56. Bon. Y a rien. Et donc il est pas du tout effrayé par les endroits éclairés quoi. Si tu vas dans un endroit comme ça, il oui, c'est pareil. S'en fout. D'ailleurs, il l'a détruit. Hein. Vous avez retrouvé personne pour le moment en plus. Putain, c'est là qu'on doit retrouver des gens. Mais comment on fait pour retrouver des gens? Ah, j'en sais foutre rien. Bon, attends, faut qu'on explore, on n'a pas le choix. Ouais. Ah, j'ai plus qu'une balle de Glock. Oh, ah ouais. Misère. Ah oui, t'en avais vraiment très peu. Il se reste combien, toi? Oh bah, j'ai une vingtaine de balles plus 5 dans le chargeur. Ah ouais. Oh, mais enfin, vu les dégâts que je lui ai fait... Ah, encore Bigfoot. Le farceur. Oh, un téléphérique. Ah, une piste de ski. Tiens donc. Malin. Peut-être qu'en haut de la piste de ski, il y aura... Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En vrai, c'est sûr. Il y a un truc. Peut-être qu'ils ont mis une luge, on peut descendre à fond. Oh, le cerf. Encore pour prendre... On peut refiler un peu la viande. Là, il y en a rien à foutre. Il fait du ski. Oh, où est ton cerf? Un télésiège. Ouais, mais me faites pas chier en fait. Vous êtes un peu des ouf. Bingo, un gîte. Où on peut manger. Il y a quelque chose de gravé sur le mur. Help. On a retrouvé un gars? Peut-être. Son cadavre, c'est pareil, hein. Ça veut dire qu'on l'a trouvé. Hein. Ça me va très bien. Oui, oui, ça ira aussi, on prend une photo. Y'a quelqu'un? Munition de 7.62 ici. Du calibre 12. C'est-à-dire qu'on peut avoir un fusil à pompe aussi. 7.62 ici. Il y a une note. Je suis désolé, bébé. Encore une blague de Bigfoot m'attaque pendant que je suis sur un snowboard. Et puis, je te le jure, plus de tournage. Alors je ne serai qu'avec toi, Daniel Robbins. Ah, ça partait d'une blague. Je ne pensais pas si bien dire. Pardon. Mais il va arriver. Il vient de rugir. Bah ouais, j'ai appuyé sur le haut-parleur. Il y a du 7.62 ici. Partout. Ouais, je cherche. Là, c'est un piège, ok? Il y a un code par terre. 5, 2, 1, 2. On y retiens fait. Le 52, 12. Ok. 5, 2, 1, 2. 5, 2, 52, 12. Tout fouillé. Non. Il y a des trucs, des fois, je fais pas gaffe. T'as fait les tiroirs? Ah oui, c'est 62. Il y a du 7.62. Calibre 12. Putain, tu l'as pas vu celui-là. Il y avait quoi? Celui-là, tu l'as oh, pas putain, vu. Oh putain, bah tiens. Attends. Calibre 12. Donnez. Est-ce que... Mais j'en avais pas récupéré du calibre 12, tiens. Tiens. Mission de calibre 12. Ah, t'as de quoi faire avec ça. Oh, 18 balles. Oh putain, je vais le défoncer, il y a qu'à revenir. Ah, tu veux qu'il revienne? En fait, il était... Non, 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 non. Il est con, tu vas le regretter. Il Il était juste là au-dessus du lit, il était accroché ici. Ah ouais, putain, faut faire gaffe en fait, faut ouvrir l'œil et le bon. Et le bon. Bon, maintenant qu'on l'a appelé, il va arriver. Qu'est-ce que... Mais putain. Quoi? C'est toi qui... Non, c'est pas toi cette fois, c'est juste pas de chance. Quoi, il y a eu quoi? Il y a eu un gros ding... Oh, on a trouvé le mec. C'est Daniel? Oh, où? Qui? Ok, prends la photo, prends la photo.
Je prends une photo, mais après on s'en va. Caméra, 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 caméra. Merde, j'ai pas de caméra. 52-12 là. Ah! Danny, où es-tu? Ethan t'attend pour faire un shopping publicitaire. Ah. Un shooting. Le chargé de presse et de la compagnie aérienne devient tendu. Je ne vais nulle part. Qu'est-ce que tu veux dire? Le styliste m'a donné une coiffure et une tenue horrible. Comment on peut en faire de la publicité? Mes followers vont se moquer de moi. Tu es le plus beau blogueur qui soit. Aucun regard n'est mauvais pour toi. Bah, nous avons environ 20 minutes pour tourner l'annonce. Je sais, je suis presque là. Désolé, j'étais nerveux. Ok, dépêche-toi ou j'enverrai Bigfoot te manger, lol. Tu es fou? Non. Ouais, tu es fou. Mais c'est quoi ce dialogue? On s'y croit. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes là pour 3 semaines. Nous pouvons marcher, skier et faire du snowboard autant que tu le souhaites en quelques jours. Ok. Je reviendrai te blottir si tu arrêtes d'être en colère. D'accord. Oh, c'est froid. Bonjour. Ethan et moi sommes déjà sur les pistes. Nous avons trouvé d'énormes empreintes de pas là-bas. Nous avons pris quelques photos pour vous montrer plus tard. Peut-être que quand les publions, je vais faire peur à mes abonnés avec Bigfoot. Lol. Il dit vraiment lol à chaque fois. Hein. C'est pas moi qui ponctue. Oh lol. Soyez prudent là-bas. Ton téléphone est chargé? Oui, bien sûr. Je t'appellerai dès notre retour. Bien. Danny, il est déjà 1h du matin. Où es-tu? Danny, tout va bien? As-tu besoin d'aide? Écoute, si c'est encore une sorte de vidéo de blague ou de farce, je ne peux plus faire ça. À chaque fois que tu crées ton contenu, tu ne passes pas de temps avec moi. J'ai aussi un blog, mais je prends encore du temps pour toi. J'ai Danny, un blog. Où es-tu? Appelle-moi au plus vite. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais sur les pistes. Rejoins-moi là-bas. Putain, tu l'as trop bien lu. Tout le monde était suspendu à tes lèvres. Genre, c'est une belle histoire. Hein. Bon, du coup, c'est l'histoire d'un blogueur qui ne passait pas assez de temps avec sa copine et qui pensait trop à ses blogs. C'est ça, et il s'est dit, lol, pour mes followers, ouais. je vais ramener des images choquantes du Bigfoot. Lol, je rencontre le Bigfoot prank, ce n'est pas le Bigfoot. Ah lol, c'est le Bigfoot. Lol, je vais en mort en moi. Lol, ce n'était pas un prank, je suis mort. Bon, du coup, elle rejoint sur les pistes, donc peut-être qu'elle est là en bas. Hein. Il n'y a plus qu'à descendre. Y'a rien là, en petit. Putain, mais s'ils avaient fait une petite interaction avec une luge là. Oh ouais. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à tout redescendre là. Bon, au moins on a trouvé un sur 3. Et ce serait pas le plus important, ça se trouve, si on trouve les 3, on a gagné. Peut-être. Ce serait bien. Parce que si on doit tuer l'autre con, y a du boulot. Hein. Plus d'adam. Intéressant ici. Je ne pense pas. Continue. Ah quoi qu'au bout de la cascade là. Peut-être. Ils ont voulu cacher quelque chose ici. Mais il faut qu'il arrête de me faire des blagues, hein. Farceur. Alors là, on est bien séparés, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai été un peu curieux. Il y a un camp. Campement du pavillon. À tous les coups, il y a un cadavre. Vous êtes détresse. Un indice en tout cas. Mission de 762. Prenez le drone pour visiter sans marcher. Il est pas con lui. Ah, il est pas con lui. Toi, t'as... T'es pas la moitié d'un fils de pute toi. T'es hyper intelligent toi, hein, putain. Intelligent le mec. Wow, aujourd'hui je cherchais des endroits pour une séance photo pour toi et j'ai vu beaucoup de sang sur les pierres. Caméra. Peut-être qu'il existe vraiment. Il y a un véhicule. Quoi, ma caméra? Ils disent ma caméra a vu un truc. La caméra était rouge. Mais il fait nuit là. Et attends, j'ai une caméra aussi moi ou pas? Il y a que toi qui en a une, je crois. De vision nocturne? Non, c'est avec laquelle tu prends les photos. C'est quoi? Dans ma roue, c'est en bas. Ouais, moi je l'ai pas. Et là, il y a un truc à prendre en photo. Mince. J'arrive. C'est une empreinte du Bigfoot. C'est un big pied. Une guitare. Oh là, merde, je l'utilisais. En tout cas, là où je suis, il y a un mot qui dit qu'il y avait du sang sur les murs.
Donc si on cherche un peu aux alentours, on va peut-être trouver... Il est derrière moi. T'as entendu ce que j'ai entendu ? Il est derrière moi. C'est la merde. C'est où la foutue photo ? C'est là, là. Où je suis ? J'arrive. J'essaie de monter. Oh, t'es en hauteur, t'es vachement en hauteur. Ouais. Ah, c'est pas moi qui ai poussé les pierres, je les ai vues ouais, en direct. T'es pas loin de là où c'est tombé quand même, hein. Je les ai vues et c'est pas moi qui ai poussé. Attends sur les pierres. Putain, mais il nous attrapera jamais ici le Bigfoot. Ça dépend, moi j'ai pas galéré à monter, hein. Ok, alors là il fait nuit, je sais que c'est pas pratique, mais. Il a parlé de son sur les pierres. Il est là! Oh putain de sa mère! Oh alors tu l'aimes bien celui-là? Et celui-là? Et celui-là? Et ça? Il y a une avalanche! Oh, et celle-là? Faut qu'il se prenne l'avalanche dans la gueule! Aïe! Oh, je suis sonné! Je suis sonné! Ah! Mais putain, mais son sang il est bon lui aussi! Ah! Je suis à terre! Non, 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 aïe! C'est bon, je me suis dit, je me suicide, en fait, compte, je suis encore en vie. Oh! Il est descendu pour me péter la gueule! Ça va? Non! Je te cover d'au-dessus! Il sort? Il s'enfuit? Alors, c'est ça. Bouffon. Qui c'est les plus forts maintenant? Eh le bouffon. Regardez-moi ce bouffon. Oh putain. Ah, il a perdu au moins un vingtième de sa vie là, hein. Alors. Putain, comment on va faire? Non mais on lui fait pas de dégâts en fait. Ouais non mais c'est très grave. Ouais, doucement. Doucement, on plaisante. Munition de 762. Attends, faut que je reviens noter. Ah ouais? Bah wow. Prends-le au pire. Aujourd'hui, je cherchais des endroits pour une séance photo pour toi et j'ai vu beaucoup de sang sur les pierres. Ah! Aide-moi! Peut-être qu'il existe vraiment. Mais c'est quoi cette merde? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai été pris au piège par ça! Un piège. Indigène! Mais c'est. Fais attention. C'est vraiment un truc de gros con! Dehors des pièges partout. Il y avait des. Il y avait du 1662 dans une tente. Tu l'as pris? Non. Mais il m'emmerde. Je vais le prendre. Non, on n'y va pas revenir. Pas il est pas de retour quand même. Je prends juste le 762. Attends, un petit coup de guitare. Voilà, faut se faire plaisir. Et on y va. Le piège en photo. C'est le Bigfoot qui a construit ça? La photo elle fait rien. Attends, je me mets devant si tu veux. Ouais, vas-y, ça fait une belle photo quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre? C'est quoi ces grands projecteurs? Oh, un totem. On va pouvoir se revive 15 fois. Pourquoi il y a des projecteurs ici? C'est une piste de ski? Il projette de la lumière partout? Ok. Il n'y a toujours pas de quoi descendre. C'est frustrant. Vide. Ben, quand je pense qu'il y a des fusils qui nous attendent. Ah, je me demande bien où, hein. 5,56. Putain, mais donnez-moi du calibre 12. M'en fous du 5,56. Rien. Rien. Et rien. Putain, que de la merde. Stay alive. Je prends une photo. Oh putain! Quoi? Il a pris le téléphérique, le télésiège. Faire attention à ce qu'on dit.
Ah, je crois que y a vraiment rien ici. Au bout du bout, quoi. Y a rien ici, quoi. Y a rien pour descendre par la piste. On a fait tout ce chemin pour rien. J'ai encore un kit de soins. Ah, j'en ai qu'un. Faire attention. Ça rend combien? Ça te dit pas. Fais gaffe, hein. Je pense qu'il est encore là. Là, il fait jour, ça doit être moins. Oh, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre de ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cadavre d'un mec! Ah, il a eu un accident de ski. Il a eu un accident de ski finalement, c'est pas du tout la faute du Bigfoot. Elle était vraiment là! Ethan, tu sais pas où tu es? Où tu es parti, Daniel? Devrait arriver bientôt. C'est une belle photo. Oh, vraiment? Dis-lui que s'il n'est pas là dans 15 minutes, Bigfoot mangera sa jambe. Lol. Qu'est-ce qu'ils ont avec cet humour de merde? Ouais, parce que Bigfoot est totalement réel. Ethan, Danny n'a pas répondu à mes messages. Tout va bien? As-tu besoin d'aide? Ethan? Bizarre. C'est la dernière fois. Mais en plus, Bigfoot, il les dévore pas. Il les coupe en morceaux. Il est con, quoi. Ah si, il a bouffé un pied, ah, là. Il a emmené une jambe, quand même. Ouais. Ouais. Mais du coup, le troisième cadavre est forcément au nord. Ah, on est au nord, zone. C'est nord-ouest, ouais, je pense. Ouais, par là-bas, ouais. Mais encore là, on avait un indice parce qu'elle avait dit qu'elle le rejoindrait au bout de la piste. Là, ouais, c'est vrai. Le prochain, on n'a pas d'indice. Quoi? Cours! Mais cours où? J'ai entendu le bruit devant. Moi, je l'ai entendu derrière, du coup, c'est bon. Je suis rassuré. On prend tout le stuff et on fonce à droite. On va se dépêcher, hein. De la merde. Une peau de banane. Kit de soins, ça c'est très bien. Calibre 12, ça c'est très bien. Les déchets. Dans le camion, il n'y a pas un truc là? Et le code qu'on a trouvé, il mène pas à quelque chose? Rien là-dedans. 52 12. C'est le nouveau chiffre. Il n'y avait rien ici. Et là, on prend à droite. On va aller tout en haut. Attends, bouge plus. J'ai été chercher des gâteaux. Putain, je croyais que tu cherchais à faire un paix, mais c'était tellement long, je me suis dit, c'est gênant. Il veut le faire son paix ou il veut pas le faire? Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Un écureuil? Un lapin? Faut le buter. Ah, c'est un sanglier! Ah, le salopard. On a de la viande ou pas? Attends, j'ai combien de viande? Ah! Gauche. Ouais, y'a plein de choses à gauche. Ah, oh, oh, oh. Eh ben, attention à ça. On peut pas vous rentrer. C'est dangereux quand même, hein. Calibre 12, yes. Une machette, un coup près. Par à quoi? À couper. Regarde. Tu vas la battre avec un coup près? Ouais. Ça prendra un peu courageux. De temps. Zion! Avalanche! Les chutes du grizzly. Oh, bouge pas. Oh, oh ouais. Allez hop. Nickel. Hop là. La viande de cul là. En bas ou en haut? En haut. Où est-ce qu'on est? Ah non, plutôt en bas. Ah non. Bah tu sais quoi, ah. Allons chacun d'un côté. Allez, on se sépare, on ira plus vite.
qu'on trouve un autre indice. On aurait peut-être dû dire sur les missing, il y avait peut-être un indice sur la dernière position connue des portées disparues. C'est vrai. Il a oublié d'être con celui-là. Avalanche! Totem! Bah prends-le! C'est pour te tenir au courant, c'est tout? Oh mais ça va me tuer un jour ça. Qu'est-ce que je fais là? Oh! Ah non! Il y a un piège! Oh non! C'est bon. J'arrive à un petit chalet. J'arrive à un petit chalet. C'est quoi cette merde de piège posée partout? Je vais peut-être avoir des indices au chalet. Je vais voir. Ouah! Un fusil extraordinaire! Non, c'est pas vrai. Attends, le R700, c'est celui que t'as? Ouais. Ok, bah j'ai le même. Félicitations pour le million de vues de Daniel sur le snowboard. J'ai tout accepté à l'entrée 17h. Il donne rendez-vous à l'entrée 17h, Ethan Drake. À l'entrée. J'ai le doute sur le fait que la vidéo de snowboard ait fait 1 million de vues si c'est pas un youtubeur humour. Mais bon. C'est vrai que. Dis donc. 1 million de vues sur une vidéo de snowboard basique. Une grosse hache. Ok. J'ai un coffre-fort. Avant moi. Écoutez-le s'étouffer avec sa bouffe. Tellement il veut voir le contenu du coffre. Putain, tu savais que ça servirait à quelque chose de code. Putain, les looks sont salés. Oh la vache. Ok, c'est pareil, faut bruit. Vas-y, 52-12. 52-12. Quoi? C'est pas ça? Non, mais comment on fait du coup? Non, comment on fait? C'est pas ça? Non. Comment on fait? Non, je vais lancer une fusée de détresse, hein. Non, par contre. Non, c'est trop là. Quand il peut. Imagine. Tu sais, l'autiste qui a des secours, genre non, là, une fusée de détresse, là, il panique. Là, c'est trop. Non, c'est pas possible. 52-12, on l'utilise où alors? Peut-être avec... Vas-y, ça doit être à l'extérieur, ça doit être dans la zone en vrai. Bah, il y avait du carburant et une pioche. Ça doit être à l'extérieur. Ça doit être à l'extérieur. De quoi à l'extérieur? Je sais pas, le code il est pas dans la maison, il doit être à l'extérieur, c'est pas possible. Il doit être dans cette zone. Et donc du coup, il y aurait eu un coffre dans la zone où on était tout à l'heure? Peut-être, ça va pas de péter les vitres comme non. Ça. Je pensais pas que ça ferait ça. 75, 80. On m'a dit. Quoi? Comment tu sais? Oh putain! C'est bon, il s'est fait bait! La dynamite! Oh putain! En fait, depuis tout à l'heure, je me tenais là. Je cachais le code derrière mon cul et tu passais à côté, tu le voyais pas. T'es une merde! Bon, en tout cas, on a des explosifs. Il faudrait le faire avec un piège et de la viande, ça. Bah, regarde. Je pense. Mais comment ça s'utilise en fait? On va aller dans un endroit où on peut l'appeler. Comment ça s'utilise? Non, une fusée de détresse, on se met là. Ouais. Regarde, je mets un piège. Hop. De la viande. On le fournit en viande et après l'explosif, je fais comment? Bah, tu, je sais pas, pose-le par terre. Et tu le fais péter avec une touche. Il y a une touche. Tu crois? Oui, ça, dans le tuto, il y avait une touche. Enfin, le tuto avec les touches, il y avait marqué machin explosif. Dépêche-toi parce que là, tu vas arriver. Là, je fais G. Non, merde, pourquoi je l'ai pas? Je l'ai pas dans mon inventaire. Il est où le... Comment j'utilise? Dynamite. C'est un explosif qui peut être déclenché à distance. Mais comment? J'ai... Je sais pas comment le poser. Attends, je peux te le donner au pire, comme ça tu check. Vas-y, check. Je vais voir à l'intérieur, ils disent qu'il y avait une télécommande. Ouais. Ah, tu l'as mis dans mon inventaire? Sur ton raccourci feu d'artifice. Non. Ça c'est juste un vrai feu d'artifice, c'est rien d'autre. Bidon de carburant. Non les gars là je... Bah oui tu l'as donné. Oh my bad. Donc dans ton inventaire direct tu l'as...
Tu l'as pas? Dans ta roue? Non, non, pas dans mon, pas dans ma roue directe. Ah si, si, fallait que je switch si. Avec ouais, le bouton d'essence. C'est, moi aussi je devais switch mais je l'ai pas fait. Ok, et du coup, si je le mets... Oh là. Là je l'ai lancé. Attends, je m'éloigne un peu parce que... Et... Là tu dois tirer une fusée de détresse. Et c'est quoi la touche pour... Attends, paramètres. Contrôle. Faut lancer une fusée de détresse pour faire exploser? Non, non, pour faire exploser. Il arrive, il est là, il est là. T'as ce qu'il faut pour faire exploser ou pas? Ça doit être G. Non, c'est pas... Ça doit c'est être G. Attends, attends, je vais le mettre dans le piège. On va le mettre dans le piège. G. Boum. Fais. Ça ne fait pas de dégâts. Tiens, grosse merde. Tiens, nous fusil à pompe dessus. Ah, il m'a jeté un truc. Aïe. Ah, il a pris son tarif quand même. Aïe. Ça y est, c'est mon tour. Ah, il fait tomber ce connard. Ah. Ah. Je vais tirer dessus. J'essaie de faire de mon mieux. Mais il va regagner sa vie, putain. Foiré. Ça va, on lui a enlevé pas mal de vie cette fois. Quoique. Alors, en fait, à chaque fois, on lui enlève un petit bout là. Ouais, ouais, regarde, putain, mais il récupère tout là. En vrai, notre plan dynamite, il était insane. Ça, on aurait dû l'envoyer. Ça aurait dû faire beaucoup plus en vrai. Bah, ouais, la dynamite, ça servait à rien. On l'a explosé, putain. J'étais trop fier de nous et il s'est rien passé. J'ai plus de vie par contre, hein. Bon, alors, il disait à l'entrée. Rendez-vous à l'entrée. Ça veut dire quoi? Moi je suis à 46 de vie en bas à droite et j'ai un kit de soins mais T'as un kit de soins? Non, j'en ai plus. Ah, je t'en donne un. Bah non, parce que je suis à 45 de vie et t'as 46 de vie donc Oui mais moi j'en ai deux des kits de soins. Ah, ah oui. Après je sais pas si on se heal maintenant ou si on attend encore une attaque. Ah non, je me heal maintenant parce que dans tous les cas ça me redonne pas full life. Ça donne combien? Bah là je suis à 80. Ah. Ah ouais, c'est pas ouf. Ça rend 45. Non, même pas, 35 je crois. Ah chier. Oh, une tombe. Bon. Bon. On a pu qu'à checker par là-bas. Mais sinon... On descend. Putain, mais vraiment, on a trouvé de la dynamite dans un coffre-fort. Et tout ce que ça fait, c'est de lui enlever 2 HP là. Sérieux, c'est abusé, hein. C'est incroyable. Ou alors, dans ce cas-là, la dynamite, elle a une autre utilité que de faire des dégâts. Mais je vois pas quoi. Il y avait une pelle. Bah... C'est quoi le sim photo, là? C'est les caméras. Je crois. Ah, t'as une pioche. Tu peux... Ouais, tu j'ai une pioche. Tu peux creuser la tombe? Ou pas? Bah... C'est illégal, je crois. Ah. Ça doit être dans les règlements de la forêt, ouais. Je crois. Du coup, on évite. Ça dépend, elle est où la tombe? Elle est là. Après, si tu veux, on évite. Hein. Non, mais bon, maintenant que t'as soumis l'idée. Allez, on va déterrer Cibok. Regardez-le comme il a pas honte. Regardez ce qu'il fait. Ouais, d'accord, allez, c'est énorme. C'est énorme de corps à corps. Genre, il y a vraiment pas d'utilité. Bon, bah d'accord. Bah, on se casse. Putain, ça va être la merde parce que là on doit aller plus bas et après on a fait un peu le tour. La pelle dans la maison, on pouvait pas la récupérer. Hein. Non, je vais y aller, mais si on peut pas la récupérer, vous me trollez de ouf. Hein. C'est abusé. Hein. Je fais 3 depuis tout à l'heure. Mais je l'ai regardé 1000 fois tout à l'heure, vous trollez de ouf. Hein. Faire pranker à ton âge. Là, mais même la photo, vous trollez de ouf. Tout ce que vous dites, c'est faux. Je vous croirai plus jamais. T'es passé devant un panneau qui indiquait l'entrée. Quoi? Quoi?
Ouais, non, je suis pas sûr de ça. Ah ! Un ours ! Je sais m'en servir ! Je sais m'en servir ! Un ours ! Ah, ça va vite ! Oh putain ! M'aider ! T'es devant l'ours ! T'es devant l'ours, derrière toi ! Quoi ? Oh putain ! Mais pourquoi tu tires ? Mais pourquoi tu tires ? Imagine la viande ! Mais il est malade, lui ! Fusée ! Non mais c'est bon, il est déjà mort. Trois viandes ! Eh ben. Eh ben. Bon bah ça marche, la tyrolienne. Ah bon ? Oh ! Quoi ? Tu m'as fait à l'envers ! Je défie la gravité ! Ah bon ? Incroyable. Bah c'est quand même sacrément pratique ça. Bah ouais. Ça va nous faire gagner du temps. Super. Au bout de ce chemin, on trouvera un coffre-fort sur lequel on mettra 52-12. Ouais, le 52-12, j'y crois plus en fait. Il devait être là où on a trouvé le code. Probablement un ours, t'inquiète pas. Oui, et puis je sais les tuer maintenant. Non, y'a rien là. Même pas une petite baraque. Totem. Ok. Ah. Beware. Beware. Attention. À quoi? Mais beware, ouais. À what? Beware à what? C'est peut-être la maison du Bigfoot. Oh putain. On va trouver des sacs d'os. Mais oui, regarde, il y a tous ces meubles et... Là, c'est le salon. Oh putain, la chambre à coucher. Oh, moi aussi j'ai un fusil maintenant. Oh, beware. Beware. bah voilà. Mais là, il y a des os quand même. Hein. Ouais, bah c'est la cuisine. C'est... Le salaud, il mange... mange comme un cochon. Bah super. Au moins t'as un fusil. Ouais, bah après je sais pas lequel fait le plus de dégâts entre mon sniper et le fusil à pompe. Par contre on a plus de kit de soins et ça va vite se terminer cette aventure. Ouais. Est-ce qu'on peut descendre directement comme ça? Non. Ouais, tu vas juste te faire mal aux chevilles. On peut pas. Mettez une cam. Vous, en fait, vous êtes très enfantin. Vous pensez que, genre, vraiment, il va revenir toutes les nuits pour dormir ici juste parce qu'on a dit que c'était sa maison en blague. Genre, vous êtes vraiment très enfantin, je trouve. Mais c'est mignon. Il va aller se coucher, il est tard. Vous êtes très. Ouais, on vous fait croire un peu n'importe quoi. On aurait dû le laisser appeler, hein. Ouais, mais c'est pas grave, je trouve. Elle est rigolote, votre idée, puis ça vous fera plaisir. Hop, je le mets là. Voilà. Ah, d'ailleurs, attends, oh, les autres cams là. Une caméra dans la maison du Bigfoot. Ouais, du coup, on est notifié quand quelque chose passe devant la caméra du Bigfoot. Ah ça je sais pas. Ce serait chouette. Je sais pas en vrai. Non mais là on se rapproche vraiment dangereusement de la maison quoi. Donc je pense pas que ce soit pareil. La cam sur la map devient rouge. Bah là elle est rouge. Pourtant y'a rien. Elle est orange. C'est la même couleur. Bah, je connais des scientifiques qui seraient pas d'accord avec toi. Ouais bah vous me direz quand elle est rouge parce que... Parce que voilà quoi. À quoi bon vivre plus longtemps si tu distingues pas le rouge du orange? Faut bien faire des concessions hein, on peut pas tout avoir. Hein. Oh non, j'ai plus de batterie dans ma souris. Un barbecue? Ah non! Mais j'en ai marre! Quoi, t'as fait un barbecue? Tu t'es brûlé? Putain, mais tu t'es jamais chopé? Je me suis tapé trois fois un piège. Et toi, jamais? Non, jamais. Pourtant, je fais pas attention. Pas plus que ça, quoi. Oh, le. Il est sympa, le. Pas mal, hein, j'ai pris une viande grillée. C'est quoi ce bruit? J'ai activé une radio, je sais pas à quoi ça sert.
Ah. Bon, on va la désactiver. Ça se trouve, c'est pour l'énerver. Alors ça, je sais pas ce que... Ouais, je sais pas. Il devait chercher des fantômes, ce côté-là. C'est quoi qui a fait tut-tut-tut? Ah, une cam! La cam de là-bas! Elle a détecté un truc! C'est la cam combien? Ah ouais! Oui, ça fait tut-tut-tut, la cam. Ah! Ah, c'est un... La cam 1. C'est un cerf. Mais il est... Oh, il a pris le piège? Oui, il a pris le piège. Oh non, mais l'ours va... Mais je vis une scène de nature incroyable. Alors moi, je vois rien, mais... Ah bon? Sur la cam 1, tu non, vois rien? Sur la cam 1, je vois rien. Bah là, il y a un ours qui arrive lentement. Et le... Il y a un cerf qui s'est pris le piège, ce con. Il comptait bouffer le morceau de barbac. Mais ça bouffe pas de l'herbe, normalement, ah, les ça bâtards. Pas si herbivore depuis que ça. Depuis quand hein t'es plus herbivore? La seule le seul endroit où on n'est pas vraiment allé, ce serait peut-être au centre de la map. Le centre, c'est tout. Mais c'est bien tout. On n'a pas fait tout dans les moindres recoins, mais... Ouais. Attention au piège. Il n'y en avait pas? Non. Ouais. Il va vivre plus longtemps mais sans amis. Faut aller à l'entrée du parc. Ouais mais genre ils vont pas mettre le cadavre à l'entrée du parc non quand même. Ah mais l'entrée du parc c'est pas là. C'est là-bas. En fait l'entrée du parc. Notre caravane elle était pas du tout à l'entrée du parc. Puisque l'entrée du parc elle est là-bas. Comment tu sais que c'est l'entrée du parc? Caméra. Oh le cerf il est mort. Bah oui. Il y a un cadavre de cerf, ouais mais je l'avais pas vu avant. En fait quand t'es dessus je vois rien, apparemment. Ok. Mais où est l'entrée? De quoi il me parle? Prends la première à droite. Tu ne le regretteras pas. Là? Ah non. Là? Ah, que... Oh, je t'ai dit de faire attention aux pièges, putain! J'en peux plus, hein! Mais j'en peux plus! Mais pourquoi je me les prends tous? Ouais, mais en fait, on est venu ici, c'est pas l'entrée, putain, fais chier! Elle est où l'entrée? Attends, on est pas venu ici! Regarde! Eh ouais, sinon on aurait pris cette morceau de barbac ou cette mission de 762! J'ai allumé la radio! Ah! Caméra qui clignote! Elle est devant nous! La caméra qui clignote, elle est devant nous! C'est peut-être un cerf, tout à l'heure c'était ça. Oh, y'a un loup! C'est un loup! Oh, combien il marche? Tu peux arrêter. C'est pas une IA super développée. Hein. Tu peux arrêter d'allumer les radios? C'est pour l'attirer? Si ça. Mais pourquoi tu veux l'attirer? Ah ouais, merde, c'est vrai. J'ai récupéré une bouteille de gaz. Est-ce que si on met la bouteille de gaz et qu'on tire dessus, ça fait un explosif? Bah, dans ce cas-là, moi j'ai récupéré de l'essence. Est-ce que ça marche aussi? Bidon de carburant, pareil. Oh. On a que utilisé tout ça en explosif. Oh yeah. Mais alors... Attends, mais du coup, là, on fait moi quoi? Mais moi, j'ai pas de piège, j'ai que de la viande. Attends, il y a un truc ici. Il y a un bonhomme de neige. Avec un beau chapeau. Où est cette foutue entrée du parc? Tu peux pas casser des caisses comme ça? Ça se trouve, toi, avec ta hache, tu peux casser les caisses, hein. Oh, kit de soin. Ah, je peux tester. Caisse. Caméra, juste devant nous. Caméra 1. C'est Bigfoot. Il court. Oh, cette fois-ci, c'est vraiment lui. Il doit venir vers nous. On est court sur la glace. C'est un cul-de-sac, on est pris. Alors, je te préviens, si je le vois, je lâche le bidon de gaz et on tire dessus. Hein. Oh, au grand mot, les grands remèdes. Wouah, il saute. Saute sur... Eh hey, gros balourd, c'est moi que tu veux. Aïe. Bah alors. Alors non. Grosse merde. Bah quoi, viens. Aïe aïe. Boum. Oh, il est sonné. Je suis au sol moi, je suis au sol, j'ai besoin d'aide.
J'arrive, mon pote. Non, il va te... Je t'ai donné un totem. Merci, mais ça me relève pas. J'ai besoin d'être pour m'enlever. Faut m'enlever. Non, j'arrive pas à utiliser le totem. Je tends la main à qui, là? Mais non, mais l'autre arrête de poser des trucs à côté de moi. Il faut juste me relever. J'ai plus beaucoup de vie. Qu'est-ce qu'il fait, le Bigfoot? Je suis mort. Ça va, mon pote? T'inquiète. Alors pas, on va te rafistoler. Ah oui? D'accord. Mais comment j'utilise les totems? Tu fais quoi là? Je t'emmène à l'hôpital. T'inquiète pas, tu vas tenir. Comment je le heal? Qu'est-ce que j'en fais? Aidez-moi. Amène-le à la cabane. Quoi? La cabane? C'est loin, non? C'est-à-dire? Enterre-le. Mais niquez-vous! Dites-moi ce que non, je dois faire. Non mais arrêtez! Je suis pas mort. Dites-moi ce que je dois faire. Comment je te pose? Oh, je sais pas comment te poser, putain. Emmène-moi sur un lit d'un campement. Là, derrière toi, y a des dédouillés, là. Tous les tentes. Voilà, fais-moi dormir ici. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Prends-le. Mais je sais même pas comment le poser, là. C'est terrible. Je fais E. Je fais tout ce que je peux, mais je ne peux pas le poser. 52-12. Quoi, 52-12? C'est le code. Oh putain, je peux pas te poser, ça m'énerve. Ramène-moi au campement. Non, G, ça marche pas. C'est plus très loin. X. Ah bah oh. Enfin. Bon, je te prends, mais au moindre problème, je te laisse. Hein. Mais non, mais il faudrait trouver comment me relever. Les totems, ils servent à ranimer des gens. Comment on fait? Bah ouais. C'est quand même curieux, ça. Quelqu'un peut regarder sur Internet? 4 totems et le poser dans un sanctuaire. C'est où? C'est quoi un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est-à-dire? On voit pas marqué de sanctuaire dans tout ce qu'on a trouvé. Non mais il va vraiment me laisser comme ça avec un croix d'à côté. Oh, ça fait chier, putain. Au centre de la map. Ouais. Non, c'est des conneries. Y'a pas un tuto dans les paramètres? Vas-y, 37-34. Il m'a posé. Oh. Il m'a posé où, ça? Je ne sais pas. Je t'ai posé où? Et ben voilà, il m'a tué. Oh! Ah, je suis collé au plafond! On a cru au drame pendant un moment. Pourquoi j'étais collé comme Spider-Man? 37-34 jaune. On a cru au drame. Les vieux os qui puent là. C'est vrai que les y a des couleurs en fonction des codes. Bah là il y a marqué 37-34. 52-12, 37-34.
Oh, la vie qu'on lui a enlevée, c'est ridicule. You just need to find four totems and bring a friend to the altar. Ah ouais, the altar? Il est où l'altar? Il est là? Ça, le problème, c'est qu'il est où l'altar? Ah, caméra. C'est des animaux. Probablement une fausse alerte. Ouais, bah tu dois m'emmener au centre de la map. Et pour vous, c'est quoi le centre? C'est les grandes, la map. C'est le croisement de la route principale? Où elle se sépare en deux? Ce serait là, le centre? Attends, c'était la caméra qui était dans le... Celle dans la grotte, elle a détecté un truc. Alors, la théorie selon laquelle il viendrait se coucher régulièrement est vraie? C'est au milieu. Ouais, non, mais c'est bien. Merci pour l'info. Hein. Malheureusement, là où les chemins se rejoignent. Ah ouais. Ah, c'est bien. Eh ben, bonne chance. Bah, si, bientôt, remarque. Hein. Mais t'as les 4 totems, t'en as pas que 3? Si, j'en ai 4. J'ai pris un des tiens. Ah ouais, voilà. Entre autres choses. Tu pourras passer par là à un moment donné, voir ce qu'il y a. C'est là. Je le fais maintenant. Ça doit être là. Mais si tu prends le câble pendant que tu me transportes. Oh, ça doit marcher. Putain, du coup là c'est. Il regarde. Ah, attends, je me permets. Il y a une caisse d'armes. Oh. Munition de calibre 12. La belle affaire, hein. Oh, un piège. Ça, c'est bien. Une batterie de voiture. Une batterie. Ça se tisse comment ça? En explosif. Oh, les feux d'artifice de zinzin que t'as. Ouais. Bon, ça a pas l'air d'être ça. Je vais prendre le. Bah, faut y aller, faut y aller. Hein. Ah, je pense. Ah ça marche. Y a un truc. Ça marche, j'ai fait espace. On dirait que ça marche un peu. Attention, mesdames, messieurs. Wouh. Ah, faut mieux pas que je te lâche maintenant. Hein. Oh là là, où est-ce que je vais? Non, ça va, ça te rapproche. Maintenant, faut remonter. Ouais, mais ça doit pas être sur la route principale, hein. Ça doit pas du tout être ça quand même. Ils disent que c'est au croisement. Il s'éloigne. Ah bon? Il se rapproche. Il va à l'opposé. Vous êtes sûr? L'endroit des quatre chemins. C'est-à-dire. Là? Vous pouvez pas voir ce que je montre. Fais chier. Quoi? Je vais regarder une map. Ouais, vas-y. Ok, il y a aucune map qui correspond à notre map. Nickel. C'est pas du tout. Il y a vraiment pas de map. Correspond. J'ai ma petite idée. Vas-y, moi j'ai ma petite idée, je vais suivre mon instinct. C'est dingue ça. Bon, pourquoi les gens galèrent à trouver? J'ai ma petite idée. Vaut mieux que je trouve avant la nuit avant que la nuit tombe quoi. C'est surtout ça le problème. Bah là du coup tu vas au croisement. Attention c'est haut. Faudrait pas me laisser tomber. Putain. Merde. Oh fais chier. Y'a des bruits, pas de toi. C'est exactement là où je voulais aller, c'est marrant. T'as quand même pas me laisser là. Attends, mais sinon je te pose à la caravane. Non.
pas où aller, moi. Ça ferait de mal à personne, une chute comme ça. Quelle galère. J'ai une petite idée. Quelle galère. J'ai dû descendre pour aller à ma petite idée. Maintenant, je vais à ma petite idée. Ta petite idée, c'est quand même pas de me laisser à la caravane. C'est de trouver la première benne que je trouve. Te foutre dedans. Nuit 6. Cool. Ma première nuit. Ah! Ah merde! Aïe! Aïe! Ah, tu vois, c'est moins marrant. Ah, ça fait mal! Eh ben ouais, 4 fois moi. Oh bon sang de bonsoir, j'ai plus de heal. Oh, oh ouais, non mais là ça devient compliqué comme histoire. Hein. Si le sanctuaire n'est pas ici, c'est terminé. Hein. Oh, photo. Pardon, excusez-moi. Oh bah vas-y, lâche-moi, on dira rien. C'est bien d'avoir plein de preuves, mais bon. Je pense que c'est forcément par là. C'est quoi ça? C'est pas une tête de sanctuaire, on dirait un truc festif. Ouais. Je vais pas y aller, j'irai plus tard. Oh, ça a l'air énorme. Ah. S'il me trouve, je suis foutu. On a un autre truc qui a l'air énorme. J'ai pas assez de vie pour ça. Pour moi, ça aurait été là. Pourquoi? Au croisement des quatre chemins, comme vous dites là. C'est là. Où? Quoi? C'était ça? Oui, ce qu'ils appellent le sanctuaire, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un chalet. Oh là, t'as attiré les corbeaux. Oh, Bigfoot qui va arriver. Putain. Là? Au truc festif. Ok, on va faire la fête, ouais, d'accord. C'est curieux. Une voiture. Une batterie, une voiture. Station du parc. Putain, effectivement, c'est un sacré centre, ok. Maintenant, où est le sanctuaire? Il y a plein de choses là-dedans. Oh, le Porsche. Sanctuaire, sanctuaire, sanctuaire. Kit de soins. Je crois qu'il casse tout. Ouah! Alerte! Oh, l'enculé, il me met ma dose! Oh la vache! Il me met une dose, l'enfoiré! Ah! Ah! Oh non, mais ça continue! Oh! Donc, ah, il va décrocher au téléphone. Donc, il était là, votre sanctuaire, c'est ça? Oh, c'était bien sa maison! Oh. Et eh ben, ça se régale! Oh non! Oui, bah bien sûr qu'il a survécu, le connard. Il est hyper puissant, il a trop de vie. On lui a mis des dingueries. Putain, on a même pas pu fouiller cette zone qui avait l'air incroyable là. Putain, ça devait être full stuff là-dedans. C'était là-dedans qu'il y avait tous les trucs et tous les coffres pour mettre nos codes et tout. C'est sûr. Putain, mais il devait y avoir tellement de trucs. Et les fusils d'assaut, j'en rêve déjà. Bah ouais, 5,56 et tout, c'était là-dedans, c'est sûr. Eh ouais, bah donc, qu'est-ce que crevé, tu veux? Putain! Ça fait baiser. Baiser par le lobby laitier, disons-le! C'est vraiment baiser. Bon bah. On peut faire Redwood, sinon. La forêt? Ouais. Ouais. On traduire à deux. Vous voulez dire qu'ils adaptent pas sa vie au nombre de joueurs? C'est con. C'est le truc le plus débile qu'il y a à faire sur un jeu multijoueur. Ok. Vas-y, c'est bon. En fait, Bigfoot Health
Je vais mettre 1. Bigfoot dommage. Je vais mettre 1. Et Loot-A-Mount. Je vais laisser comme c'était. Ouais. T'es invité. Ouais. Tu veux changer de personnage? Ah non, c'est moi qui étais pas prêt. Non. Il a moins de vie là? Ce connard? Bah, j'ai mis. Il était à 2 par défaut. Tout était à 2 par défaut et du coup j'ai baissé à 1 sa vie et c'est dommage. Tu m'étonnes. Bah, je clique sur commencer, ça fait rien. Je vois 5, 4, 3 et après ça s'arrête. Curieux quand même. Comme si quelqu'un essayait de Non. saboter la partie. Rien ne Alors m'empêche là. de croquer vite fait dans ces restes froids. C'est quoi le frère? C'est quoi? Des nuggets. Non, c'est un truc que j'ai commandé. Il y a 6 jours. Un truc mexicain là. On va quitter, hein. Je vais relancer. Façon, mexicain ou non, Bigfoot ou non, tout ce qui partira à la fin de ce live et qui est inévitable, c'est un McDonald's. Voilà ce qui va partir. Ah ouais, non, moi ce serait trop gourmand, je peux pas, je peux pas. Moi, ça fait longtemps, parce que la dernière fois au drive, j'arrive à 23h28, c'est censé fermer à 23h30. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est fermé! Ah oui, N'importe c'est quoi. normal, attends, C'est ridicule. oh le chiant. Donnez-moi juste un McBaguette, je sais que vous en avez. Donnez-le-moi, prenez-le à la poubelle, j'en sais rien. Donc, et puis ça fait une semaine que je pouvais pas manger. Du coup, là, je vais me régaler, voilà. Le jeu ne marche pas. Ah si. Moi maintenant, de toute façon, quand je dis pour McDo, en vrai, je pense Quick, hein. J'ai pris Quick, hein. Je suis désolé, mais Est-ce qu'ils ont un McDo équivalent ça du soir. McBaguette? Non, mais te faire foutre par contre. Vrai de vrai, hein. J'en ai mangé des burgers dans ma vie. Alors, je suis pas valouze, je connais pas tout, mais. Je ne suis Je vois pas pas ce qui peut valouze. s'asseoir à la table à côté du Big Giant, quoi. Alors, le Giant de chez Quick, qui peut le tester? Moi j'ai une question à te poser. Qui peut nous tester? Puisqu'on a 16 000 viewers. Eh ben. Voire quasi 17 000 en fait. Alors, prends ça, Macron. Toujours pas de rapport. Je vais m'étouffer avec ma salive. C'est close. Oh putain. Bon, on reprend les mêmes stuff. Faut qu'on ait un kit de Ouais. soins chacun au moins. Trois caméras chacun. Une, deux, trois. Il y avait d'autres trucs cachés un peu partout. Y a un autre kit de soins. T'as un kit de soins? Y a du 762 ici dans les tiroirs. Ah, tiens, tu prends la caméra. Tiens, je vais prendre le pistolet de détresse. Le drone. Je le prends, mais bon. On n'en a pas fait grand usage. Un piège, je prends. Caméra de vision nocturne, si tu veux l'essayer, prends-la. Ah, on a 4 disparus cette fois-ci. Oh putain. Monica, Peter, John, Ruby. Déjà la nuit une. Ça va vite. Sept soixante-deux, tiroir du haut. Les 9 mm, tu les as pas pris, les munitions. Ah. Dans l'armurerie. Ok, je pense que Je pense c'est qu'on bon. a bien raclé là. Il y avait des trucs dehors aussi. Ouais, dehors faut juste faire gaffe.
C'est 62 dans le sac bleu. Tu sais que je peux prendre les munitions. Oh, pour l'instant, tu utilises le 762. Non, oui, mais après, si t'en as plus. Genre, tu les prends, tu me les donnes. Non. D'accord. Ouais. Tiens, tu vois, par exemple, là, j'ai pris du 9 mm. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur toi. Et hop, je te donne les munitions de 9 mm. Ouais, c'est vrai. Pas con, ce mec. L'appareil photo. Ouh là 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 là, il est où? Là, la caméra est là. Ah ouais. Bon. Et ben. Et ben quand faut y aller. Alors on commence par où? Est-ce qu'il me manque un truc? Je crois pas. J'en profite que vous soyez autant pour vous dire que la date n'est pas définitive, mais a priori. Je suis content de faire ça. Le 3 novembre. Ouais, 3 novembre, live spécial JDR. On sera 4 avec un maître du jeu. Énorme. Thème médiéval fantastique, je ne vous spoil pas plus, mais ça va être génial. Hâte de vous montrer les illustrations de nos personnages. Énorme. Donc vous pouvez déjà noter dans votre petit agenda de merde, hein, entre vos devoirs, le 3 novembre, la JDR. Totem. Pourquoi tu me gueules l'info à chaque fois? C'est quoi si je te disais caillou? Ah, j'en sais rien, putain. J'en sais foutre rien. Putain, oh, on est déjà dans cette sacrée zone. Ok, méthodique. Énormissime. Ouais, méthodique, guitare. Ok. Ah, je pensais pas que t'entendais de là où t'étais. Une clé à pipe. T'as besoin d'une clé à pipe. J'ai des munitions de 9 mm pour toi. D'accord. Bah, tu peux me les donner, hein, tout simplement. Tu peux les prendre et me les donner plutôt que. Chaque fois, il me propose. Chaque fois, il veut que j'aille prendre les munitions, c'est insupportable. C'est exactement ce que je viens de faire. Mais tu sais quoi? Y'a un Glock pour toi. Reculé. Ah, j'ai rien dit, j'arrive. Pour. Tu vas couper cette merde, putain! Mais il va débarquer! Il est où le Glock? Pas de Glock, putain, on voit rien. Ah! Bah voilà, de la lumière, trou du cul. Viens voir à la fenêtre. Mais il est où le Glock? Viens voir à la fenêtre. Hop là! Quoi? Là, il est là! Ah. Ouais. Il y a une batte de baseball. Et pourquoi c'est pas? Beau, hein. Bidon de carburant. J'adore le bruit du bidon de carburant quand tu le prends. J'ai entendu des mouches. Égal cadavre. C'est-à-dire qu'il y a un cadavre. Il y a le cadavre de quelqu'un. Petite soirée arrosée ici. Deux verres de vin. À moins que non. Ah, c'est dans la maison, je crois. Mais moi, je loue tellement mal, je dois laisser vraiment passer plein de trucs. Ouais, je sais pas. Ah, photo. Ça fait peur le bruit. Oh, des latrines. On dit ça vraiment quand on est très bien élevé. C'est le stade au-dessus de gens qui disent le petit coin. J'ai envie d'aller aux latrines. Y'a un téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu veux passer putain, un coup de fil. Mais... C'est toi qui as fait ça? J'ai rien fait. Je vais être honnête Peter. Avec toi. Quoi? J'ai rien fait. Ah, je crois que t'allais dire un truc pour elle. Un message Peter. De Peter. Je ne te trouve nulle part. J'ai trouvé le journal de Ruby. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas pris. Je te le dirai ce soir.
Retrouve-moi près de la cascade, Monica. Peter, je chercherai Monica dans la cabane dans les arbres. J'ai besoin de la trouver. Ruby, regarde autour de la cascade. Alors. Ce qu'on va faire, c'est que Monica, elle, je sais qu'elle est près de la cascade. Et lui, il a dit qu'il allait la chercher où? La cabane. Ruby, regarde autour de la cascade. Ouais, non, mais non, pas Ruby. Et c'est une cabane dans les arbres. Lui, il va chercher où? Bah, je sais pas, moi. Mais il a dit au début qu'il allait chercher quelque part et que l'autre allait chercher près de la cascade. Je chercherai Monica dans la cabane dans les arbres. Ok, alors lui, je pense qu'il est crevé là-bas. Et Monica, elle a crevé près de la cascade. On parle autrement de nos morts, de nos défunts. Monica est décédée, probablement près de la cascade. Merci. C'est quand même des proches. Pierre des proches. Waouh! Allez! On va perdre 10 000 viewers là. Hein. On a fait le tour là? Des blagues, ouais. Des blagues, oui. Donc c'est là que t'as trouvé ton petit message. Ouais. Et t'as trouvé quoi dans cette vilaine sacoche là? Ouais, y'avait rien, mais c'était. Par contre, j'ai trouvé un pied de biche à l'instant. Du coup, en retournant ici. C'est pour ça que je dis que je loot très mal. Ah! En fait, moi j'ai. C'est quoi ça, Peter? Je vais à ce piège avec Ruby. Elle a besoin d'aide. Faites attention. Tu vois, je loot mal. Moi j'ai très peur d'avoir loupé genre un énorme fusil à pompe sur un mur par exemple. Ah ouais, c'est possible en plus. Ça ferait... Ah bah tiens, quand on en parle du loup. C'est vrai? Oui. Mais ça c'était une nouvelle maison? Oui. Ok. Oh, des chiottes? Oh putain, de FAMAS dans les chiottes. Ah non, une batterie de voiture qui n'a rien à faire là. Ça fait de l'explosif. C'est quoi tout ce sang? Des plantes. C'est vrai qu'il y a de la mouche. Ah mais c'est de la mouche à merde. Ouais. Ok, bon. Je pense qu'on a fait le tour de... Un mot. Je vais chercher Bigfoot à côté des grottes de la brouette en marbre. N'y allez pas. Faites attention, Ruby. Oh, ok, putain. Alors Ruby, c'est la brouette en marbre. Ok. Il y en a une à la cascade. Une à la brouette en marbre. Et un dans la cabane dans les arbres. Bon, faut trouver les grottes, la cabane près des arbres et la cascade. Un jeu d'enfant. Ok. Link, le putain de cadavre. Tu l'as loupé, le cadavre. Il n'y a pas de cadavre direct ici. Ils te prennent pour un vraiment... Pour un fils de pute, voilà pour qui ils te prennent. Et attends, ils me prennent peut-être pour un fils de pute en rien. C'est-à-dire un cadavre. Non, vous foutez de ma gueule ou pas? Y'a pas de cadavre, tu vois bien qu'ils arrêtent pas de te pranker. Non, regarde, si vous vous foutez de ma gueule, je vous banne tous. J'ai une touche pour tous vous ban. De tous les chats de Twitch. Don't feed the troll. Hey, le message il est pour toi, donc là, sur le mur. Don't feed the troll. C'est mais marqué, c'est marqué en gros, en gras. Vous foutez de... Y'a pas de cadavre. Lève la tête. Mais vous êtes con ou quoi? Il est pas dans les arbres. Non, y'a rien, je pense. Oh non, y'a rien, ils se foutent de ma gueule. Tu t'es fait trop laid. Don't feed the troll, pourtant il le disait. Hein. Ils se foutent de ma gueule. J'ai des contacts chez Twitch. Hein. Je peux vous. Vous serez tous bannis. Hein. J'ai invité à manger ban de Twitch chez moi demain. Hein. Ouais, je lui dis de tous vous ban. Ban de Twitch, j'allais dire. Ban de Twitch est dans le chat. Hein, donc il peut tous vous ban. Hein. Le fameux Ben de Twitch. Park Hunter. Et ben, au moins on l'a trouvé. Cette fois-ci. Avalanche. Oh merde. Batterie. Je crois qu'elle est une offensive. Ouais, j'en ai déjà une. Il faudra des ralentisseurs bien plus gros que ça pour freiner ma hype. La hype est totale. Enfin là on s'amuse mais bientôt on va trouver le Bigfoot et Je pense bref. Plus les jours passent, plus il est présent. C'est quoi là-bas? C'est faut qu'on se dépêche. C'est la caravane. Ouais. Continuons par la route. C'est quoi en bas? Pas grand chose. Il est chiant à vouloir explorer. C'est quoi en haut? Oh putain.
Ah, tu sais quoi, on se sépare. Ouais, la dernière fois ça s'est bien passé, tu t'es juste pris un piège et... Un cerf! Ah, un zerf! Un camp! Abri 2! Bienvenue à l'abri 2! Bah vraiment cet abri 2 il est à chier, hein, y a rien. Et surtout pas de cadavre d'ailleurs. Je pense qu'il y a rien ici. Cabane dans les bois. Cabane avalanche dans les bois. Grotte. Arrête de me notifier de tout ce qui se passe. Je te notifie juste des avalanches et des totems. T'as de la chance qu'il n'y ait pas d'autres trucs. Cabane dans les bois, grotte, cascade. Avalanche. Ah tu vois. C'est vrai que c'est un réflexe. C'est quoi que j'entends là? Oh tiens! Une cabane dans les bois, ça en est pas une ça? Enfin, on dirait une tour de guet, mais. Ah! Ça pourrait être une cabane dans les bois! Peut-être! Techniquement parlant. Ah non, elle est pas dans un arbre, mais bon. Elle est en hauteur. Tour de Firewatch! Feu d'artifice. Il y a de la mouche, ouais, mais t'as mal, c'est la couette, c'est les poubelles. Quoi? Un cerf. Ah, un cerf! Le mec qui vole les blagues. Un générateur. Ouais, mais il est... Munition de... Oh, John Adams Tree. C'est un arbre de 76 mètres. Il y a marqué. Et de 8 mètres de diamètre. Ça t'embouche un coin, non, ça. C'est Jamie, là? Je ne fais que lire les panneaux. Et hey, partager un peu de savoir avec mes amis. J'ai... Oh! Ah non, c'est un fusil pour toi, ça. Je suis là, si tu demandes. J'ai rien vu. Je pense que c'était marrant. T'as pas entendu? Non, ça devait être marrant, mais j'ai rien entendu. Ah, parce qu'il y en a un qui a entendu, en tout cas. Bon, sinon, t'as trouvé un code pour le verre? Quelque part? Le verre? Ouais, t'as trouvé un code écrit? 3822. Test. Je sais pas si c'est vert. Ça marche pas. Je déconne, j'en ai pas trouvé. Tu crois que je suis vraiment trop con? Je vais pas tester. Abruti, va. Ah ouais? Et bah teste-le, ce serait marrant qu'au final... Arrête! Imagine, au final c'est vraiment ça. Quoi? Y'a pas de coffre? Bah si, y'a un coffre là. Alors, 3822. No troll. Don't feed the troll. Don't feed the troll. Je suis le premier à le savoir pourtant. Bon, je crois que j'ai tout pris. T'as pris le fusil? Oh, il est malade le cerf. Il est bizarre un peu. Quel cerf? Oh putain. Merde, il m'a regardé en train de faire ma connerie. Oh, c'est vrai qu'il a un problème le cerf. Et il a plus de problème maintenant. Je te le garantis. On n'a rien trouvé d'intéressant. Envie de la manger crue, cette viande. John Adams Tree. Ouais, non, c'est, on s'en fout, c'est info. 76 mètres de diamètre et... Non, 76 mètres de haut et 8 mètres de diamètre. T'as 76 mètres de diamètre, la taille de l'engin. La taille du truc. Ah, photo. Faut une photo, là. Prends-moi... Attends, je te prends en gros plan. Vas-y. T'as des beaux yeux, en vrai. Merci. Dans la vraie vie. Avalanche! Ouais, je sais, j'ai entendu. Je suis à côté de toi. Vas-y, une tyrolienne là. Yes. On y va. On n'a pas fait le côté droit de la map, hein. Faudra s'en souvenir. Je pense qu'on le regrettera. Allez, on y va. Oh, bah non, j'arrive, mais sa gueule! S'il y a Bigfoot, je prends la tyrolienne! C'est quoi ça? Munition et rien dans le sac. Y'a rien? Non. D'accord. La vieille tour de chasse. Ouais, bah super!
Non, en descendant plutôt. Est-ce qu'on retourne vers la droite de la map Bon, je te suis. Viens la fouiller. Le code était sous le tapis. C'est pas vrai. 76-08. Pourquoi je vous croirais? Non, mais ils ont raconté que des conneries depuis le début. Et là, alors ce serait vrai. Vous n'avez jamais été de bons conseils. Pierre et le loup, le chat. Vous êtes Pierre. Oh, je me souviens plus de l'histoire, mais j'aurais pas aimé. Avalanche! Tu connais pas l'histoire de Pierre et le loup, tu te fous gueule? Non, je l'ai oublié. On a dû me la raconter une fois quand j'avais 5 ans. Et... J'entends des gros bruits de pas. Oh, c'est toi? Comment ça, c'est moi? Je fais 600 kilos? Oh, j'ai une esquive. Défends-toi comme tu peux. Oh. Ouais, il a des projectiles, celui-là. Tiens bon. Mais il me tabasse la gueule. Aïe. Dis donc, il est malade, lui. Tire dans le bidon. Attends, je... Il m'a bloqué, tire dans le bidon. Vas-y. Alors, gros enculé, c'est qui tes maîtres? Qui est ton maître? Qui est ton putain de maître? Oh putain! Il est... Ah, c'est toi, il t'en veut après, personnellement. Ah, il défonce toutes les barrières, il est malade! Mais le problème, c'est que sa vie grise, elle est trop grande! Oh. C'est définitif! Tire dans la batterie! Mais ça marche vraiment! Je suis mort! Ça m'électrocute! Moi aussi, j'ai mal! Oh, il est mal! Oh, il est mal! Oh! Il est trop mal! Mais là, ah bah c'est ouais, c'est ça! Là, c'est de la cruauté animale à ce niveau-là! Non, mais là, je. Ne montrez pas ce live à la péta! Ah ouais, non, franchement, c'est. C'est gênant! Par contre, j'ai 27 de vie, hein! Bah, je me suis mis un kit de soins là parce que. Ouais, je m'en suis mis un aussi! Tiens, prends donc, un kit de soins! Donc, bonne chose à savoir! Parce que là, du coup, moi, mec, j'ai une batterie de voiture, bouteille de gaz. Oh bah, on va le défoncer! On va le défoncer! Bon, alors, la partie grise, c'est chiant, mais. Ouais, putain, il va regagner toute sa vie! Comme ça qu'on fait. Wow, c'est définitif. Campement et lame. Un petit kit de soins. Peut-être. Y a pas d'autre moyen de se redonner de la vie. Tiens, y a une bouteille de gaz là. Oh le bruit. Tong. 7,62. 5,56. Prends, t'en as besoin. Il nous faut. De l'eau. Une arme. Il nous faut du 5,56. Oh, de la viande sur le barbecue. Ah bah c'est bien ça. Il nous ça faut une arme qui tire du 5,56. C'est très important. Bah c'est forcément une tuerie. On voit que ça. Wow. Il va pas revenir quand même. Il va en découdre. Ça j'ai va, des bidons. Hein. On lui a mis sa dose là quand même. Bon, on a fait toute la partie. Putain, on a rien trouvé des trois endroits. Je vais au sud. Bah je viens hein. Je fais comme tu veux hein. T'as peur? Moi j'ai peur. Chier. Fais le tour, sérieux? Oh. Ouais. Oh. Aïe! Ne le fais pas! Aïe! Putain! C'est passé par un autre endroit. Oh non, genre, mais juste. En fait. Mais j'en juste plus là, loin, c'était oh bon. Non, hein. Putain, genre. Mais il fait chier. Oh, j'ai pris trop cher. Ça me donne oh, envie. De... C'est un arbre bicentenaire. Ça me donne envie de. Tiens. Allez là. Les débats sur la chasse là. Firewatch. Tall Tree Grove Village. Elam Compound, All Hunting, on a rien qui nous intéresse dans la signalisation. Pas de grotte, pas de chute. Bah passons dans ce joli creux. Et puis voilà. On n'a pas trouvé un seul mec. Ah, on n'est pas allé. Tu vois, il y a une petite virgule qui va vers la gauche, on n'est pas allé. Tu sais, comme ça. Ah. Bon, on va pas y aller. Ouais, ou alors on va y aller, je sais pas. Ah, bah il veut y aller. Je me dis, ce serait dommage, mais en même temps, je sens qu'on est en. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça?
Il y a un bûcheron. Mais on dirait quelqu'un qui tape une noix de coco sur un arbre. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, on n'arrivera pas à accéder par ici. Ou alors... Ou alors... À tes souhaits. Merci, t'es bien le seul là. Avalanche. Jamais pris un tic de dégâts par l'avalanche. Hein. Mais bon. Bah, c'est quoi ce sacré endroit là? C'est super comme virgule ça. J'espère qu'on va être récompensé quand même. La cabane dans les bois. La cabane dans les arbres. On a bien fait d'y aller. Personne n'est mort. Bizarre. Alors que pourtant, quelqu'un est mort. Encore du 5,56. J'étais inconscient pendant un moment, mais je me sens mieux, ne t'inquiète pas. Pendant que je cherchais Peter, j'ai vu que Tante Ruby était morte près de la cascade. Qu'est-il arrivé? J'ai peur, Monica. Mais oui, mais on avait déjà l'info, putain. On le sait. Oh là là, c'est tellement inutile. Oula, M4. Quoi? C'est faux. T'es fait avoir. Oui. Mais content que ce soit faux, finalement. Attends, mais il y a un cadavre. Cheval, il est... c'est sûr qu'il y a un cadavre. Il non, est... je pense pas. Il est près... Il est allé à la cabane, c'est sûr. J'en crois ah ouais, pas mais un il a, mot. Il a laissé un mot. J'en crois pas un mot. C'est quoi cette petite table, là? Marrant, ça. Oh, je cherche un peu dans la zone, parce que là... C'est manger. Allez, j'y vais. Là, j'arrive pas à y croire. Attendez. Aïe. La dernière fois, on trouvait des cadavres à la pelle et... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, le doute m'habite parce que... C'est un bug ou c'est... Viens voir. Oh bah non, je suis descendu. Oh bah faut que je remonte. Non, bah pas forcément, mais... On dirait quelqu'un qui a... Il y a quoi dedans? Non, il y a des traces de pneus. Ouais? Quel genre? Tu veux dire de vrais pneus? Un peu, ouais. Ou je sais pas. Attends, je sors mon drone. Mais t'es où? Attends, je sors mon drone. Là. Comment je le contrôle? Non, ça c'est un bug texture, ça. On dirait quelqu'un qui a, ouais. Qui a foncé. C'est vrai qu'il a foncé dans le ravin en fait. Ouah, wow, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est toi, qu'est-ce que t'as fait? C'était un éclair. T'es malade ou quoi? Mais putain de merde. C'était un éclair, il a cramé un arbre derrière toi. C'était une soundboard? Tu m'as trollé? Mais la vie de ma... Mais regarde derrière toi. Oh putain. Mais j'ai flippé ma race aussi. Wouah. Oh mais là c'est... Putain bon, attends, j'étais pas bien, le bruit était gigantesque. Vas-y, je cherche vite fait le cadavre avec avec le drone et s'il y a rien on s'en va. Alors apparemment on a eu peur pour le même orage en 2017. Ah. Merci à vous d'avoir une mémoire. Nous on en a pas. T'es bien avec ton drone? Ouais, mais je vais arrêter. Putain, le nombre d'arbres abattus. Je passe par là, moi. Faut qu'on y pense au drone, c'est assez excellent. C'est quoi ça? Oh putain! Mais putain, par contre, il n'y avait pas de cadavre, et ça, je trouve ça bizarre parce qu'on vous avait dit la cabane. C'est quand même curieux. Le renard. Il y a peut-être plusieurs cabanes. Hein. Non, en fait, impossible. Non, c'était cette cabane-là. Mais sauf qu'il a mis un mot pour dire que finalement, bah, tout s'est bien passé de la cabane, il est parti ailleurs.
encore un ours. Bon courage. Mais si je veux trouver la chute d'eau, j'ai qu'à suivre la rivière. Pas con le mec. Ouais, j'ai beau aller par là, y'a rien de passionnant. Totem! Ah. Oh, des cibles d'archers. Donc, un arc. Oh, c'est un sacré tir celui-là. 32,89. Oh. Noir. 32,89 noir. Retenez ça, le chat. Ça, vous le retenez, d'accord? C'est extrêmement important. Tiens, tiens, un vieux stand de tir. Grand arbre du village. Ah, un documentaire sur le Bigfoot. À cette heure-là? Mais... c'est gênant. Oh, 32,89. Bah, bingo! Je suis tellement loin de toi! Oh putain! Quoi? Oh bah là. Une frappe nucléaire! C'est quasi comme. Un pistolet à plasma. C'est. Putain, téléphone de merde! On va découper le Bigfoot. C'est ni plus ni moins qu'une AWAP. Oh là, un barrette calibre 50. Mon dieu, mais des munitions. C'est quoi comme munitions ça? C'est des munitions de zinzin là. 32,89, effectivement. Aouh! Jerrican. Caméra de vision nocturne, la belle affaire. Ça nous en fait deux. Oh, téléphone! Ah ouais, moi aussi ça me baise à chaque fois. Ils sont sympas parce qu'il y a de la place dans l'inventaire. Ouais, au moins on se fait pas chier avec ça. Ouais, il y a encore un R700 mais on en a un tous les deux. Pas cool. On en a un dans chaque main? J'aurais préféré qu'on me donne une M16, comme tout le monde. Oh, il y a du sang là! Il y a du sang dans cette baraque! Alors le cadavre n'est pas loin! Beware! Beware! Ah non, quelqu'un! C'est barricadé! Beware! C'est barricadé, je vois quelque chose ou pas? C'est sûr qu'on peut rentrer quelque part, mais je sais pas comment. Tiens, y'a un jerrycan là, prends-le. Pourquoi moi? Parce que j'ai plus de place. D'accord. On peut pas rentrer du coup, dans le campement là? Boum. Étrange. Pas de fusil qui est laissé comme ça là. Pour moi c'est pas mal. Ça alors. Ok miss. He's watching. Attention à ton drone. Putain, hein. On trouve vraiment aucun cadavre. Oh putain! Ça va? Non! Dépose un truc explosif! Vas-y! Boum! Alors, grosse merde!
Aïe. On se refait un explosif. J'ai 38 HP. Ok, cours. Ah merde. J'ai un feu d'artifice ici, sur tes pieds. Et qu'est-ce que je fais? Je tire dessus. On recule. Ah. Tiens, reviens vers moi. Je reviens. Ah, pas si près de moi. Le con. C'est pas grave, il est sonné. Ah, il va peut-être me buter. Il fuit. C'est ça, ouais. Bien joué. On a échappé belle. Sacrée aventure. On voit partir avec le FPV super vite. Y a pas la maison qui est fermée là. Ah, tu veux une petite fenêtre pour rentrer dedans et regarder? Elle est où? Je sais plus, elle est un peu éloignée. Oh bon sang. Trouve pas. Pied de biche. Quoi, vous pensez que je peux casser un truc avec mon pied de biche? Mais en fait, les trucs pied de biche, batte de baseball, machin, c'est que des outils pour taper en fait. Ça n'a pas d'interaction possible. Ah, par contre, ça c'est du 556. Bon, je la trouve plus. Elle est un peu éloignée. Elle est pas dans les lotissements de tout le monde. Elle est un peu en retrait. Oh putain! Y'a un gnome? Peut-être. Oh, c'est bon, je trouve pas. Ailleurs. J'avance. Vieille tour de chasse 3. D'accord, mais bon. C'est non. Il paraît que ce con il revient vers moi. Oh, un cerf. Ah bon? Un cerf. Bon. C'est pas un ours, ça, quand même. Oh putain. Un ours et un loup. Qui marche. Mais c'est le livre de la jungle ou quoi? Il y a un ours et un loup qui marchent l'un à côté de l'autre? Ça fait beaucoup. On n'a pas trouvé un seul cadavre. Pas un seul. Maintenant, on n'a pas trouvé un seul lieu à part la cabane dans les bois. C'est chiant. C'est toi qui tapes sur les. Pourquoi tu donnes des coups? Je ne tape pas. T'as entendu? Non. Complètement fou. Tu t'as entendu? Non. Ça a cogné sur un tronc d'arbre. Complètement malade, le mec. Mais ils sont encore là? Mais essaye même de se dépatouiller du loup. Attention à côté de toi! Non! Mais vous êtes vraiment des merdes. Alors là, plus jamais je laisse des animaux en vie. Plus jamais. C'était les deux là qui se baladaient l'un à côté de l'autre. Putain, je suis tombé sur Timon et Pumba là. C'est pas trop le même. Ah, il y avait lui aussi. Allez hop, toi t'as pris pour les autres. Non, mais c'est toi qui as cogné sur les troncs d'arbres pour de vrai. Non. Non, vraiment pas. Il sait pas quand s'arrêter, c'est ça le problème. Non, mais vraiment pas. Mais tout à l'heure, on a entendu la même chose. Tout à l'heure, je t'ai dit, il doit y avoir un bûcheron, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment un bûcheron. Attends, est-ce que si je tape sur un truc, ça fait le bruit? Il est malade, hein. Il est parano, hein, en plus. C'est toi, ça fait le même bruit. Oh bon sang. Vas-y, je le fais, attends. Je le fais. Je prends même une hache. Une grosse hache. Ah, j'avoue, c'est pas ce bruit-là que j'ai entendu.
Tiens, tiens. Ah non. L'entrée du parc, on l'avait pas déjà trouvé? L'entrée du parc, si, on est revenu sur nos pas. Y'a plus non, qu'à remonter. Pas possible. Sinon on aurait... Non, non. C'est une autre entrée qu'on a vue, celle du nord. Là on est à celle du sud. C'est exactement la même. On a fait une boucle. Là, non, c'est bon, faut juste qu'on aille à gauche maintenant. Et là je suppose que tout le monde est à gauche quoi. Bah j'espère, parce que sinon on c'est est d'accord qu'il est, il est vachement mal mis le poteau, on est d'accord. Il est en plein milieu de la route là. Il aurait dû être là genre. Ouais ouais, c'est... Ah, non, ça va pas du tout là. Totem. Je savais qu'il allait gueuler, je l'entendais le totem. J'en connais un qui pourrait s'éloigner, hein, le loup. Parce que là, c'est pas la journée. On peut se donner la nourriture. Attends, j'ai comme une intuition à gauche, là. Regardez-moi ça. Mais où est-ce qu'il va? Mais où est-ce qu'il va? Oh là là. Il y a des secrets, ici. Moi, je retourne là où il y a du bruit, hein. Ouais, vas-y. Je me laisse pousser par mon instinct. Aïe aïe aïe. C'est quoi? C'est un ours? C'est un ours! Abat-le! C'est fait. C'est bien. Bien joué. En même temps, avec une AWAP et 132 balles... Il a pas demandé son reste, hein, le con. Là. Con d'ours. Mais il y a encore un mec qui tape sur un tronc d'arbre. Et c'est pas toi parce que je te vois sur le radar. Ah! C'est le bûcheron. Comme j'ai dit. Avalanche! Ah non, on va se rejoindre et au final on va pas trouver. Hein. Y'a rien ici. Hein. Bah pas de ouf. Hein. Honnêtement. Ah, un petit camp. Et merde! Chalet, ah ouais, du bosquet. Putain. Pas grave. Ah, il faut que tu prennes une photo où je suis. Ah, j'arrive. Ah bah tiens, un kit de soins. Ah bah tiens, deux kits de soins. Il y a un coffre-fort ici. C'est vrai. Et j'avais pas trouvé un autre code. Ah non. Un rouge, t'as pas trouvé? Non, j'en ai trouvé qu'un en finale. Après, tu sais, il y avait un code, mais il était sous le tapis. Le fameux. Link! Quoi? J'ai trouvé le corps de la pauvre Monica. Ah, putain, enfin! Quel plaisir! Peter, tu avais raison. Je ne survivrai pas. Il est si proche. S'il te plaît, rentre à la maison. Juste, ne m'oublie pas, d'accord? Je t'aime, Peter. Je suis désolé. Monica. Allez hop. Ça dégage, Monica. Mais comment? Ah ouais, elle a pas écrit ça. Oh non, la conversation téléphonique, on en aura rien à foutre. À moins qu'elle donne des infos, mais je te laisserai la lire. C'est pas compliqué, c'est sur son smartphone, dans la main qui est coupée. Ah, très bien. Et c'est où la photo? Bah c'est là. Bah c'est là, oui. Enfin, oui, il y a celle-ci, mais il y en a une autre. La Monica. Faut la prendre en photo. Notre rôle, Terracite, est passé devant un code. Mais bien sûr. Ma. Eh bah oui, encore. Il y a marqué jambon. Il y a marqué jambon de Parme sur mon front. Ah, des codes. Il y en a partout, des codes. Oh là là, des codes. Il n'y a pas de code, des codes. Oh non, regardez, un code. Oh, un autre code. Putain. C'était quoi la couleur du coffre que tu voulais? C'était rouge. Ah. Et si t'essayais au hasard 87-54? Sérieux là? T'es... Comment ça? T'es sûr ou quoi? Au hasard. Combien? Je sais pas, 8-7-54? Ou 87-54? Pourquoi?
8754. Pourquoi il sait? Le raccourci. Oh, tu l'as tiré. Comment il savait? C'est 4. Bon, on va se faire un classique, hein. Piège de viande, dynamite. Et tu sais quoi? Dynamite plus baril. Oh ouais, tout en fait. Ouais, ouais, t'as raison. Bah oui. On va faire un cocktail. Mais c'est chiant parce que faudrait qu'on le voit arriver de loin et qu'on ait le temps de tout mettre. Alors, pour ça il nous faut... Vas-y, on se met là? Ouais. Ok, alors un piège avec de la barbac. Voilà, plus. Et là, on va pas lésigner sur les moyens. Une petite batterie ici. Une petite bouteille de gaz là. Dynamite. Un bidon de carbu. Ouais, on va pas se faire chier. Et puis un deuxième bidon de carbu, tiens. Et là, j'appuie sur G et il est mort. Et bah voilà. Attends, et puis pour être sûr, on va quand même... Aïe! Tu lui envoies une fusée de détresse pour... Attends. Je vais mettre un deuxième piège. Et comment on ouvre le piège? Ok, comme ça. Ah mais non, mais je vais pas le reprendre, je vais mettre de la viande dessus. Ok. Et là maintenant, hop, fusée de détresse, hop. Ici, la poule. Au pire, on peut se mettre loin. J'ai ma caméra. Allez, j'ai un sniper. Moi j'ai la touche G pour faire la dynamite, hein. Y'a même pas besoin. Il vient derrière nous, je le sais, hein. Ouais, un peu. Eh oh. Y'en a toi. Ah. Arrive. Je me recule, j'éteins ma lampe torche. Oh là, il arrive en quad ou quoi? Il arrive, il arrive! Il arrive! Oh, il est passé à côté du piège! Oh, merde! Oui, il faut l'emmener là-bas! Il a un panneau dans les mains, il est complètement fou! Je vais passer devant le piège. Passe pour qu'il se fasse prendre dedans! Vas-y, 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 c'est pas mal! Oh, il est con, il est trop malin! Il est trop malin! Reviens en arrière! J'ai recommencé! Il est trop malin, il est trop malin! Il est trop malin! Il aime pas la viande! Aïe, j'ai plus de vie! Wouah, c'est un fiasco total! J'essaie de recommencer! Attention! Attends, je vais le faire quand il est là, hein! T'es un gros con! Vieux feu d'artifice qu'il a pris, le bâtard! Aïe! Non, 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 lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi! Ah! 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 Vinette bête! Ah! 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 Oh! Oh! Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain, ça lui a rien fait à ce connard! Regarde sa vie! Il se ruile! J'ai plus rien, hein. J'ai plus rien. Mais tout a pété, mais genre ça lui a rien fait. Genre c'était un peu loin de lui. C'était pas ouf. Oh bah là, on a mis toutes nos réserves, hein. Putain, sa vie c'était bien. En fait, s'il restait que le rouge là, on serait bien, hein. Mais là. Laisse tomber. Bon bah, faut continuer à chercher, hein. Alors, on va, faut qu'on remonte. Peut-être par là. Il est pas sorti d'affaire, hein. Ah, mais la faute du cascade, faudrait qu'on y aille à un moment donné, hein. Faudra qu'on la remonte, cette rivière. Tu m'étonnes. T'as trouvé un truc? Une preuve. Des griffes. Avalanche. Ouais. Oh, c'est quoi ça? C'est ça! On est dans la zone pour ressusciter, j'ai trouvé!
Ah! On a combien de totems? J'en ai que deux. Regarde, il y a des totems à mettre. On peut les mettre directement ou pas? Je les mets, hein. Vas-y. Mets-les ici, hein. Place-les sur les trucs. Il nous en manque un. Merde. Bon, on sait où c'est au moins. Ouais. Ah, éclairé ici. Ah, une preuve ici. Où ça? Là, par terre. Et là, faudrait qu'on aille. Soit on va vers la cascade, donc en gros on remonte. J'ai envie de me taper ce chemin là. Faudra qu'on aille au centre, on va en donner un. Ouais. Ah ouais, putain, faut que je me soigne, c'est vrai. J'ai plus le kit de soins. T'as combien de vie? 66. Non! C'est tellement ridicule à voir en plus. Putain. Ouais. Ah non, hein. Vous nous laissez moi, je pense tranquille. que je vais remonter, hein. Oh non, mais j'en peux plus. Il y a un abri ici. Help me, par pitié. Qu'est-ce qui se passe? Piège plus plus je crois loup. Oh merde. Totem. Non mais là ça fait. Bah là j'ai plus de kit de soins, ça y est. C'est la merde un peu ça. Ah et toi tu prends pour les autres. Moi non plus j'en ai plus. Bon, on sait comment se ressusciter, mais bon quand même. Bon bah là, de ce côté-là, j'ai rien de plus. J'ai une tyrolienne, mais elle va vers le sud. Des tipis amérindiens. Mazette, un héritage oh, culturel putain. Tellement riche. Oh. Ah oui. Un kit de soins. Ah oui, alors là. Ah bah voilà. Peter, je ne sais pas où tu es. Je vous ai cherché toute la journée. Je ne trouve Monica nulle part. Retrouvez-moi aux tentes ce soir. Aux tentes. Connasse, il y a des tentes partout. Et les tentes, c'est vague, hein. Aux tentes. Tu parles à qui comme ça? Aux tentes. Il se moque de moi, hein. Trolling. Aïe, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai eu des dégâts? Bon, le jour se lève. Il y a trois crânes et des ossements ici. Et des girolles. Des girolles. Et des girolles. Bon bah super, cascade. Quoi? Waouh! 83 mètres de hauteur, 10 mètres de diamètre. Encore plus le grand fan que l'autre. Le fan des arbres. Waouh! Bah attends qu'il y ait un indice en mode retrouve-moi près de l'arbre de 83 mètres de haut. Tu seras bien content. Cascade! Ouh! Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est qui ça? Mais putain, Ruby! Ruby! Près de la cascade, oh là là. Comme elle avait qu'est-ce dit. Qu'est-ce que tu nous as foutu, ma Ruby? Oh, ma oh. Ruby! Oh le bazar! Hop, 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 on a pris un long piquet dans le bidou. Dans le coccyx. Nickel! Et bah, ça, c'est pas mal, il nous en manque deux. Et bah, on sait qu'il y a des grottes aussi. Également. Également. Ouais, il y a la zone du milieu de la map qu'on a. J'ai l'impression ouais. qu'on n'a pas exploré. Ouais, c'est plus cette zone-là, ouais. Ah. Ah. Ouais, non, tout ça c'est exploré, hein. On connaît ça. Non, mais c'est pas possible! Mais pourquoi c'est toujours toi qui prends? J'en peux plus! C'est ça fait ouf, combien quand de même. Pièges que je me suis pris là depuis le début du jeu, s'il vous plaît? Sachant que 9. j'en ai pris qu'un, hein. J'en ai pris qu'un quand même! J'en ai pris 9! C'est ouf! Mais ça se trouve, c'est mon perso, genre!
T'es vieux croulant, ne fais pas attention aux pièces qui l'entourent. Ouais, je sais pas. Hein. Voiture. Allez, il y a une tyrolienne là. Et elle est pas mal. Vas-y, vas-y. Avalanche. J'ai entendu, c'était sur moi. Là, là. Ah ouais, mais c'est pas ouf ça, je pense. Mais c'est pas possible. Ah si, la tour. Mais t'as enfin repris un piège mais quand c'est même. C'est le deuxième. Mais il troll. Tour radio. Pas mal. Peut-être qu'on peut faire quelque chose ici. Après, on n'a jamais entendu parler d'une tour radio, malheureusement. Ah, peut-être que de fil en aiguille. En aiguille. En aiguille, ils sont les dans aiguilles. Ici. Tiens, il y a une caméra sur nocturne, je sais pas ouais, si t'en as besoin. J'en ai une, mais j'ai pas de batterie dedans. Putain, donc ça. On a encore fait chou blanc. C'est une expression, ça. Légèrement vieux, hein. Latrine, chou blanc. On a fait chou blanc dans les latrines. Bon, et bah. Faut bouger. Putain, fais chier. Y'a un petit chalet en bas là. Mais faut qu'on descende. Ouais, il nous reste des trucs à explorer. Ah, y'a le bûcheron. Je l'entends pas. Ouais, c'est. Chacun l'entend, je crois. Bon bah je vais prendre la... Eh bah non, je vais pas la prendre. Oh putain. Oh putain. Quoi? Bah j'ai failli tomber. Mais j'aimerais descendre. Ouais, c'est... Bah c'est bon là, regarde. Voilà. Là c'est pareil là. Voilà. Peut-être ce piège-là que t'as pris. Il a l'air d'être activé. Mais comment ça se fait que t'en prends pas? J'en ai pris 10. Franchement, 10. C'est quand même un ratio assez impressionnant. Totem. Ah, ça fait 5. On a Avalanche. Vu cet endroit-là, là. Il y a des petites maisons. Je sais pas, mais il y a un... En bas, en contrebas, je voyais un petit... Un J'ai petit découvert chalet. Le chalet. Vu, c'est ski. Ok. Un fusil à pompe. Ouh. Ça c'est pas mal. Rien de spécial sinon. Y a pas un code qui traîne. Et ici, on connaît pas ici. Curieux. Mais on a déjà dû prendre cette route. On a déjà dû passer par ici. Peut-être pas. Mais par là, non. Pas de code. Ou alors là, celui-là, il faut que j'ai les infos sur l'arbre. Oh, il est monstrueux. Oh non, alors là... C'est un record, je pense. 81 mètres de hauteur, 10,4 mètres de diamètre. C'est un monstre, un monument dans cette forêt. Il est monstrueux. Oi, 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 oi. Oh, mais là, c'est même plus juste, là. C'est... Qu'est-ce que c'est que cette force de la nature? Encore une tour de. Une vieille tour de chasse, la quatrième tour de chasse. Ouais, bah ouais, ça mais commence les tours de chasse, ça nous apprenne pas grand chose. Hein. Ouais, ça commence à bien faire, je dirais là. À part des munitions de calibre 12, on s'en branle. Attends, on a vraiment poncé la map. Hein. Je pense là, qu'on est la passé... map, j'ai l'impression qu'on l'a bien fait plusieurs fois là. Je pense et... qu'on est passé à côté de certains cadavres, hein. C'est sûr. Ouais, mais là, j'ai pas l'info. Hein. Parce que là, c'est bon, à force. On a vu trop de trucs là, c'est...
pas, je longe la rivière en espérant trouver quelque chose. Je vais dans les zones où il y a le moins de d'icônes de trucs trouvés. C'est la nuit. C'est pas bon. J'ai l'impression que c'est foutu là. J'ai l'impression que l'un de nous deux va rencontrer le Bigfoot. Je rencontre tous les pièges de la région, j'ai pas forcément besoin de rencontrer le Bigfoot en plus de ça. D'ailleurs, en parlant de ça. Ouais. Ah tiens, il y a un nouvel indice. À quoi ça sert, hein, toujours. Là où j'ai mis ma caméra, il y a un indice. Ok. Oh! Tu l'as entendu? Oui. C'est à peu près là où je suis. Ça va alors. Ah, j'ai aucune idée d'où chercher. Des girolles! Des girolles! Oh, de la bonne viande. Aux tentes. Est-ce que c'est ici qu'elle appelle ça les tentes? Je pense pas du tout. Non, ça c'est des, c'est pas des tentes. Campground. Je vais essayer. Ça se trouve c'est les tentes là-bas. Totem. Oh. Peut-être un campement ici. Oh toi. Oh, il est sur moi. T'as trouvé un cerf? Bigfoot est sur moi. Vite. Vite quoi? Vite. Vite. Mais t'es vers Vite. Toi, t'es trop loin. Allez, tiens, gros fils de pute. Il sait pas prendre les tyroliennes. Tu l'as eu vraiment en prenant une tyrolienne? Oui. Oh, il est pas content, il a gueulé. Allez hop, grosse merde. N'empêche que j'ai pas de kit de soins, il m'a retiré un peu là, j'ai 50 HP. Ouais, 65 et plus d'HP non plus. Après les tentes, c'est pas les tentes... Non mais on aurait trouvé un cadavre. C'était les tentes Tipeee là. Le problème c'est que d'après la map... Il se téléporte. 100% il se téléporte. Il a pris la tyrolienne peut-être. Il a peu peur de l'eau comme les Nazgûl. Oh, je suis mort. Je suis foutu. Oh, je suis foutu, c'est une boucherie. Attends, je sais où on te réanime. Il m'a épargné. Ah, ça va alors. Oui, bah ça va, ouais, bah ouais. Tout va bien, putain. Faut qu'on se rejoigne là. Bah, attends, je prends une tyrolienne. Putain, je me suis fait enculer. Oh, mais putain, super la tyrolienne, bravo hein. Je la prends. Ah, le bâtard. Mais oui, il la prend vraiment. Il la prend vraiment. Il la prend. Je l'ai vu lever son bras. Attends, c'est peut-être pour ça qu'il m'a rattrapé aussi vite. Je pensais que c'était la strat ultime. Je l'ai vu. C'est un malade s'il prend les tyroliennes. Hein. J'ai vu lever son bras sur la corde. Un grand malade. Mais je me suis échappé. Go ! Je l'entends ! Il a mis une mandale. Je te vois prendre la tyrolienne. Mec. C'est lui ou nous ? Je retourne ! Oh putain ! Il est là. Il a pété la tyrolienne! Il a cassé! Je me suis tombé! Il a cassé la tyrolienne! Oh putain! T'as peur d'explosif? Non!
J'étais en train de la prendre, je suis tombé ce connard, j'ai 25 HP. On va crever, on a plus de kit de soins. Non, viens pas dans ma cachette. Pourquoi pas? Mais parce que j'étais bien. Et oh, t'as la lumière. Oh, je l'ai vu, il a explosé ta... Oh, peu de sens. Il y a notre tyrolienne. C'est vrai? Oui. Il faut arriver à monter, par là. Mais j'ai 25 de vie, il faut qu'on... Mais il faut qu'on... Comment on a de la vie? Ah là, il faut qu'on trouve de la vie, là. Il la casse pendant qu'on est là. Oh putain, celle-là, c'est la merde, hein. Pas un kit de soin, là. Ah non, on l'aurait trouvé tout à l'heure, on a déjà looté ici. Ah, mais on avait, on a pas eu de code Le code sous le tapis, attends. C'était quoi le code? C'est pas là, le code. C'est quoi le code? Le chat, c'était quoi le... 25-10. Ah putain. Ils avaient raison, il y a vraiment le code sous le tapis. Putain de merde. Wouah. Oh, regardez, regardez ce bâtard, comment il s'est précipité. Attends, c'est pour la tester. Vas-y, prends les munitions, là. Tiens, tiens, tiens. Attends, regarde. Attends. Comment on fait? Non, vas-y, garde-la, mais... Attends. Moi, je veux des kits de soins, surtout. Ok, mais... Bah alors, prends ça, alors. Oh. Wow. Oh, putain. Et elle a... T'as combien de balles? Euh... 107. Tiens. Tiens, 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 tiens. Oh, 100... quoi, 107, c'est beaucoup, 107, mais... 107, ça va, quand même. Tiens. Oh mais la M4, oh la vache. 106 balles, bah si t'as du 5,56, n'hésite pas à m'en donner, hein. Marche bien ça. Ah alors. Bah c'est avec ça que je tire depuis le début, en vrai c'est un plus gros chargeur, ça fait plus de dégâts. Tiens. Merci. Je vais même donner okay. 169, hein. Normalement, t'as ce qu'il faut. Là, putain, j'ai 253 balles. Il faut qu'on trouve du soin, c'est pas possible. On a fouillé toute la map. Là, je sais pas comment on fait pour se donner du soin sans trousse de soin. Ah bah, on peut pas. Hein. Les balles dans le coffre. Ah merde, les balles dans le coffre, c'est vrai. Ah, mais tu m'as peut-être filé du 5,56 en fait. Quand t'as. Non, c'est du 7,62 que je t'ai filé, non? Ah, je sais pas. Bon, on est dans la merde. Tu peux plus... Bah tiens, tu peux les prendre les 5,56, je peux pas les prendre. Je suis plein. Ah. Mais où est-ce qu'on va maintenant? Ça, c'est ça le truc. D'ailleurs, la grande question, finalement. Est-ce que la caravane, vous pensez que ça heal? Elles sont où les munitions? Dans le... Bah, dans le coffre. Ah. Caravane? Oh, ils veulent des excuses. Soi-disant, ils auraient dit où était le code depuis le début. Oh non, les gars. Ouais. Bon. Ça va. Est-ce qu'on va au caravane? Bah, ouais. Vu qu'on est pas loin, je tenterais bien d'y aller quand même. On y va, on est pas loin. Avalanche! Avalanche! Oh, curieux, c'est non, exactement. Non, mais là, j'ai 12 HP. Regarde, c'est exactement là où j'étais. Pourquoi on entend cogner? Oh putain, c'est là où il a cassé, merde. Oh, c'était un bon raccourci quand même. Terra. Quoi? Je suis pété la jambe. Je peux pas me relever. Je vais crever, je perds un HP par seconde. C'est quoi ce jeu de merde? J'arrive, t'es une merde, j'ai 12 HP. Bah je cours mais il faut que je remonte tout. C'est long hein, je cours. Mais où est-ce que t'es en plus? 8. Mais où est-ce que t'es? Ah oh, j'ai plus de sprint. Mais il est où? 7. Attends mais si je passe par où t'es? Ah t'es là mais je vais tomber aussi du coup. Attends, mais je vais tomber aussi! Pour un pote! 6!
J'arrive, mais bon. Ah, mais non, mais je vais tomber. Attends, mais il faut que je passe par un autre chemin là. Je vais me casser. J'ai 12 HP. Mais okay. C'est de plus en plus haut où je vais. Faut que t'arrives à descendre. Bah, je peux descendre, mais je vais me casser un truc, hein. Non, mais par ailleurs, non. Ah, là, c'est bon. 4. Attends, là. Ensuite. Ah, ouais, non, là t'es tombé, tu t'es fait très mal. Ok. 3. J'ai 10 HP. Et j'ai besoin de quelqu'un pour me relever. Tu casses les couilles. 2. Non, mais je m'en fous de ton compte à rebours. On a perdu. Je suis au sol. On a perdu. Putain, t'es chiant. Mais j'ai pas fait exprès. J'aurais dû te laisser crever là. Mais pourquoi t'as descendu? Mais parce que tu me fais un coup de rebours. 2. Et tu crois que j'ai le temps de faire le tour? Mais là, je fais comment pour m'enlever? Y'a un truc pour sauver, une technique? Je suis mort. Bah, j'ai vu, y'a un gros message. La M4, putain, la M4. Toi aussi, t'es mort, putain. Le Bigfoot, tu peux pas me relever? T'as tenté où? T'as tenté là? Mais là-bas, on pouvait descendre, je pense, là-bas, là. Mais tu crois que j'avais le temps de savoir ce qu'il y aurait à la suite? Attends, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi il nous donne l'opportunité de pas mourir? Il y a un truc pour se relever? Ouais, je pense qu'on pouvait se relever entre nous. Non, mais d'accord, mais là, si on est tous les deux au sol. Non, parce qu'ils sont cons. Toi, sur PUBG, quand on est tous les deux down, on meurt. Je pense qu'ils sont cons en fait. Du coup, on te regarde mourir quoi. 2. C'est vraiment un chier, putain. Attention. De toute façon, on avait plus de kit de soins. Un Bigfoot et c'était fini. Putain. Ouais, mais regarde, un autre demeure. L'autre va le revive à l'hôtel qui est à 6 km. Ouais. Mort. Mort. Et ben voilà, j'espère que c'est ok bouffé. On avait même pas trouvé la tanière du Bigfoot. Oh ouais, putain, mais là. Ça se trouve, c'était là, la grotte où il y avait le gars là. Oh, regarde où elle est. Oh, il bah, on peut pas. Les bâtards. Quel enculé, putain, de Bigfoot de merde. Oh. Pense à avoir réussi à niquer le Bigfoot. C'est putain. Vraiment un con le Bigfoot, putain. Dommage, il y a que 2 maps. Ouais. Parce que le jeu il est sorti en 2017 et pourtant quand tu regardes les autres maps, ça te dit Parc de Rose Lake arrive bientôt. Parc du Yellowstone arrive bientôt. Ah, s'il y a 2 maps entre 2017 et 2021, j'imagine que bon. On se branle. Non mais par contre, je me souvenais plus du jeu en vrai. Sympa quand même. Ouais, il est sympa. Hein. Vraiment. À 4, ça doit être marrant. Aussi. Mais il est bien. Il est dur. Ouais, caca, ça va être sympa. Il est dur quand même. Ouais, c'est... et pourtant, mec, j'ai mis vraiment le niveau 1 en bah ouais. Damage et. Bah ouais, ouais. Non, c'est chaud, hein. Chaud, hein. C'est très très chaud. Putain, j'aurais aimé quand même tester la M4, mais bon. Bien compris que. À mon avis, ça faisait ouais, genre pa 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 et c'était un peu. Ah, j'ai plus tiré rapide. 2 balles avec quoi, c'était je vois ce que ça fait à peu petit près. Un peu plus rapide que le. Ouais. Voilà. Toi, tu prendrais plutôt un Mac baguette poulet ou bœuf? Ah, bah ça me donne pas faim par contre. Comme ah, ça. Ou alors tu irais peut-être chez Quick pour avoir la fameuse sauce et tu prendrais un Giant? Non, il faut que. Non, il faut que ce soit sain. Je vais me faire. Oui. Mais c'est-à-dire que toi, tu vas manger un truc bon alors que je vais manger du riz, genre. Bah, c'est super bon le riz. Dommage qu'il n'y ait pas la sauce McDo avec. La sauce Quick. Des burgers. Oh, mais en soi, c'est pas si dégueulasse. Bah, tu sais quoi, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, McDo, que... c'est pour les porcs. Non, c'est pas grave parce que j'attendrai. Ouais. Allez, mardi, je m'autoriserai à... Attends. Non. Oh, dis-moi que c'est fermé ou qu'ils ont plus de McBaguette pour cette merde. Mais comment... Oh yes, oh yes, oh la teuf.
Oh, il va manger ses crottes de nez. Mais c'est Oh quoi ce putain. McDonald's de paysan Ah là? yes. Mais c'est quoi? Mais Ah non! putain. À Paris, il aurait l'embarras du choix. Quel McDo Mais choisir? non, Ils sont c'est tous quoi? ouverts. Oh les abrutis de merde! Il y a 8 McDo, ils sont tous fermés sauf un, et le seul qui est ouvert, il n'a pas de McBaguette. Oh Oh c'est putain, eh, bon! y a des news qui rendent le smile quand même. Hein. C'est pas grave, Oh, mec. c'est bon, flemme de la vie là, c'est bon. Mais prends-toi un hamburger. Tu n'aimes pas les hamburgers? Personnes ont aimé grand choix. Ah, oh bah oui, il y a beaucoup de choix, ouais. Il y a rien. Oh là là, alors ça, c'est. Bah, ça, si on m'avait dit ça. Ah, quand je pense que t'aurais dû te faire livrer en cours de live pour l'avoir tout à l'heure. Moi, je réponds plus de rien là, c'est bon. Faut plus me Eh, tu sais parler. que s'il existe la programmation de livraison, hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Ce que tu fais, c'est que tu programmes la livraison au plus tard possible pour qu'il arrive vraiment au dernier moment. T'imagines, je vais être obligé de prendre genre un double cheese ou un truc comme ça. Ridicule. Eh, je préfère manger un croûton de pain plutôt que de manger ça. Ou 9 chicken McNuggets. Ah Putain. Si c'est ça la vie qu'on a choisie. moi, je serais toi, je prendrais rien ce soir et je me retiendrai comme ça, je me prendrai un McBaguette demain. Peut faire les deux. Après tout, un McBaguette, ce n'est pas vraiment un McDonald's. C'est très différent. T'as qu'à te le faire toi-même, le McBaguette. Ah ouais, j'ai de la moutarde. Pas compliqué, en vrai. Ah! Tant pis! Bon, on se retrouve mercredi pour rien de prévu. Ah bon? Ah oui. Oh non, on va encore être dans la galère. Ouais, on jouera. Ouais. On y réfléchira en début de live, ce sera marrant encore. Ce sera super marrant. Vous aimez bien quand on arrive en début de live et qu'on sait pas à quoi jouer, j'ai remarqué. Ok. Et bah, Riders Republic. Pas prévu pour mercredi. Attends, il est sorti ou Qu'est-ce pas? qui... Non, c'est la Ah bêta. bah... Attends. C'est la bêta là. Riders. République, date de sortie. Ouais, Le 28 octobre. c'est pour ça qu'on l'a pas prévu là. Voilà, c'est parce qu'en Ah fait ouais. le mercredi c'est le 27 et la sortie c'est le 28. C'est pas de chance, hein, à un Pas de jour chance, près. pas de chance. Du coup, ce sera pas Riders Republic. Dark Pictures. Ouais, bon. Si on vous dira si on a envie de manger de la merde, tout à Oui, coup. non, on attendra avant de croquer dans le caca, on a le temps. Je suis pas scatophile, on verra, ce sera pour plus tard. On y réfléchira au moment venu, hein, à 21 h mercredi. Allez, salut. Au revoir, et à mercredi. À mercredi.